schon ziemlich oft gesehen. Nach 12 Uhr, wenn die Jungs gehen, weil die bleiben meistens bis 11 oder 12 mindestens, also abends, mache ich halt dann nach Shows und nach Replaycast dann nochmal ein paar sportliche Aktivitäten. Ja, hier kommen wir in den Gaming Raum. Ja, der Raum ist natürlich so das Heiligtum dieser Wohnung. Und das war's, liebe Freunde. In unserem schönen, schmucken Baby hier. Fast 5 Jahre. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hatten sehr viele geile Momente zusammen. Und ich hoffe natürlich, dass wir in der Zukunft noch viel mehr bessere, schöne Momente haben. Nämlich in unserer neuen Heimat, die wir dann mal beziehen. Hello and welcome to Home Story Cup 11, day 4, our final day here live from Krefeld. People call StarCraft 2 a dead game, but I beg to disagree. He's a hero and he takes all the blame, but all he wants to do is save this game, and where it thanks his soul with flames. He's the hero we need, but we don't deserve. He's got a voice and he wants to be heard. They're the things that have to be nerfed, even though a race will be heard. He tries his best and most of the time he succeeds. He's there for us even if Reddit disagrees.
And that is why I wrote this song. David Kim, please listen up, don't be gone. You're the hero we needed all along. And I got an idea that can fix this game. Please, David Kim, I know you're thinking the same. It's a motherfucking sick city, genius change. And StarCraft is saved. While bitching about balance is the norm, with this revolution it will be gone. So listen up, David Kim, here it comes. Bonjour tout le monde, c'est parti pour la Home Story Cup et je suis avec Yogo. Comment ça va Yogo ? Ça va très bien et toi mon cher Tude ? Ça va. Il y a juste que 3 Français dans le top 8, c'est ouais. La France contre Corée, ouais. Mais ça va. Ça, j'avoue, c'est un truc de ouf. Je pense que j'ai jamais vu ça, tu vois, genre quand tu vois les drapeaux. Ça n'a jamais été fait. D'abord, déjà la première chose, c'est que d'habitude, t'as que des Coréens, puis de temps en temps, il y a un Snoot ou un Buddy. Là déjà, il y a 3 foreigners, et les 3 sont français. Ouais. Est-ce que tu peux remontrer le bracket, vite fait, Team Liquid, Yata, quand tu pourras, avec les drapeaux et tout? Ou c'est un tweet, sinon c'est un tweet, c'est sur le Facebook Pomfétude aussi, si tu peux le trouver. Donc voilà, tout le monde est content sur le chat de retrouver Yogo sur Gaming et j'avoue que ça fait vraiment plaisir, hein. Merci de passer, commenter. Ça fait plaisir d'être là, surtout qu'il y a, il y a 2 joueurs Millennium, il y a un troisième français, on l'a dit, la personne de Petit Drogo, qui il assure parce qu'il s'est juste fait recruter par My Insanity. Donc on l'a vu la semaine dernière, j'ai la pression, il faut que je me qualifie en WSS. Donc il ne l'a pas fait sur la première qualif, mais là, au moins il a sur Home Story Cup. Non, c'est clair, ça fait vraiment plaisir de voir ce niveau et 3 Français. Et là, regardez, franchement, sur SC2, c'est jamais vu. On dirait, une Nation Wars, On dirait un Nation Wars. Il y a 3 Français et 5 Coréens. Mais dites-vous que la Corée est tellement dans le futur sur StarCraft 2 que de voir 3 Français et 5 Coréens, c'est juste hallucinant. Et ça fait vraiment plaisir pour le niveau français qui est... Je veux dire, là, on a la confirmation que la France pèse sur SC2, quoi, quand on voit cet arbre. Ah, c'est clair, hein. Celui qui est un peu deck, je sais pas si vous avez vu le message, Marie-Laure dit « Ah, fuck my life, fuck my life !» C'est Marie-Laure. Ouais.
Marie-Laure dégoûtée de tomber contre Reign, tout récent champion de GSL. Donc là, déjà, ça en impose. C'est chaud, là. Ouais. On arrive sur un niveau de jeu très, très élevé. Mais quand on regarde, en fait, il n'y a pas une seule affiche, pas de dingue. Même s'il y a des noms, enfin non, le nom coréen le plus faible, on pourrait dire, c'est Goomyo, mais Goomyo, il est là depuis les tout débuts de StarCraft. C'est l'un des chouchous d'Arthosis, notamment. Et à chaque fois qu'on le voit sortir, le gars, c'est pas le genre de joueur qui va gagner des tournois, mais qui est capable de tuer absolument n'importe qui. Donc, petit Drogo, c'est pas non plus un gâteau de tomber contre lui. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il aurait préféré tomber contre un petit Sacré là, histoire de lui faire quelques petites. Mais Sacré, il était. Je crois que c'était un deuxième de poule, si j'ai pas de conneries. Du coup, il aurait pas pu tomber contre lui. Attends, ouais, c'est une connerie. Non, c'est ça. Ouais, Sacré, c'était un deuxième. Le premier, c'est. Enfin, il y avait Parting qui était premier et Goomyo. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, sa petite roue était dans le groupe de. Il était dans le groupe de Parting, justement. Et ça avait été au niveau du PVP, mais bon, c'est. Mais c'est clair que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et en plus, il y a quelques temps, il y a un an, on est dans la game. Hein. La game va se lancer dans quelques instants. Ce sera Lilbo versus Jedong. Il y a un an, on avait la suprématie d'un joueur. Tu vois, c'était Stefano. Ouais. Et en fait, le problème quand tu as un joueur, c'est que tu ne peux pas dire qu'une nation est forte à SC2. C'est clair. Tu peux dire qu'il y a un talent. Il y a un mec qui a du talent. Mais tu ne peux pas dire qu'une nation est forte à SC2. Mais là, quand tu vois trois joueurs... Tu peux te dire qu'il y a quand même un écosystème autour de ces trois joueurs qui favorise l'émergence de talents et de performances. Et justement, je regardais les messages sur Team Liquid et puis il y en avait, France is the new Sweden. Sur la France et la nouvelle Suède. Parce que c'est vrai que c'était un peu le pays où il y avait Snoot, il y avait Sazé, il y avait Naniwa, il y avait Jin Rouge, je crois. Enfin voilà, ils avaient beaucoup de joueurs présents. Ils n'avaient pas juste un seul Stefano. On ne peut pas dire qu'ils en avaient plusieurs parce que Stefano reste Stefano. Voilà. Effectivement, ils avaient beaucoup de gros joueurs qui faisaient dire que la scène était forte. En France, on a toujours eu qu'un, que ce soit Todd ou Stefano. Et là, le fait d'en avoir autant, parce qu'on peut même rajouter Firecake dans le lot, c'est clair, dans c'est le top clair. 4, même Stefano, qui n'a pas été ridicule hein, dans son petit groupe, il n'est pas là. Il s'est quand même chamaillé pas mal hier avec Ryung, qui montre, enfin, Stefano montre toujours qu'il est capable de sortir quelques joueurs européens, même si ce n'est pas à chaque fois les plus gros. Et voilà, ça fait 5 joueurs qui carry. Ouais, c'est clair. Alors, juste une parenthèse. Javidi, je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé là. Ok, il l'a vu. Il l'a vu. Donc, peut-être un troisième caster. Pendant qu'on voit des brochettes, une merguez, des patates, des lardons, ça donne trop faim. On se met yimbe en l'odeur de nos Français. J'imagine à quel point tu es. Parce qu'il est arrivé, tu t'es là. J'ai mangé qu'une tomate. Et puis là, le plat de bouffe. Moi, mec, je crève de faim. Là. En fait, en ce moment, je fais gaffe à ce que je bouffe, tu vois. J'ai bouffé une putain de tomate, tu vois. Ouais. Genre, elle était belle au moins ou elle était la tomate genre orange. Mais bon, en haut, il me reste un peu des pommes, tu vois. Ah, la tristesse, quoi. En gros, j'ai trop faim, là. Ta petite grade Smith, là. Mais en plus, faites pas ça. Hein. Le matin, il faut manger beaucoup. Mais le problème, c'est que j'ai pas eu le temps. Parce que sachant qu'on est même pas le matin, il est 14h. Non, le matin, enfin, on termine à 2h du matin, tu vois. Donc, on est un peu décalé. Mais... Parce que là, c'est le macro casting. Hein. Pourquoi ? Tous les matchs sont joués à la suite. Donc on est ensemble jusqu'à très longtemps. Jusqu'à très longtemps. Et c'est bien parce qu'on s'est fait un peu arnaquer la semaine dernière. Il y avait eu un match qui avait été joué en double sur la première affiche. On était un petit peu déçus. Là, en théorie, sur le planning, c'est les 4 quarts de finale, les 2 demi et la finale, tous les uns à la suite des autres. Voilà les matchs. Donc, on ne ratera rien aujourd'hui. Ah. Scott qui répond, ça part sur un masque coquillette into mayo sauce soja avec le 1-1 gruyère râpé. En attendant 14h, easy win. Il manque le gros steakos quand même. Hein. Il manque le steak. Mais moi, pas de gruyère, ça, j'aime bien aussi. Hein, tu vois. Ah, ouais, je kiffe le gruyère. Par contre, la mayonnaise. Oh, ah, moi, je mets pas de mayonnaise dans les pâtes. Ah, dans les pâtes, c'est sale quand même. Mm-hmm. Le petit carré de beurre qui va bien pour saler le tout, d'accord, mais la mayo. T'es fou, mec. Du coup. La game se lance. Jedong contre Lilbo, première affiche. Franchement, j'étais là, est-ce que c'est l'affiche rêvée ou est-ce que c'est l'affiche du désespoir? Parce que c'est une affiche qui fait rêver. En tant que fan de Lilbo, il a quand même un gros joueur zère. Et en tant que fan de Jedong, je suis là, merde, pourquoi est-ce qu'il se tape Lilbo dès le premier round? C'est difficile de choisir son favori. Quoi, mais moi, je vous laisse en finale, on vous laisse. Moi, je dis Lilbo, il passe. Hein. Lilbo, il est meilleur. Lilbo, il est meilleur que Jedong. Mais moi, je suis 3000% Lilbo. Et
Alors, il faudrait que je revoie l'arbre à nouveau pour dire si Lilbo est favori de cette Home Story Cup, mais il y a quand même ça va être mon français préféré là. Il aurait été dans l'autre arbre, tu vois. Why not, parce qu'il y a Parting. Parting, c'est chaud. Hein. Il a fait 4-0 en PVP, Lilbo, hier. Hein. Donc, Parting. Il a fait 4-0 en PVP, mais la semaine, il y a deux semaines, il a perdu contre Pedro. Ah merde! C'est pas le bon overlay, c'est pas grave. On corrigera à la pause, ne vous inquiétez pas. On est parti, mes jeunes amis. Désolé pour l'overlay, Yata. Ce sera corrigé à la prochaine game. Vraiment désolé, on aura moins d'informations, c'est pas grave. On est parti en haut à gauche, en Protoss bleu, le joueur français, Lilbo. Lilbo, à fond les ballons, regardez ce nombre de points d'exclamation face au joueur, la référence, le dieu absolu, Mister Jaydong. En bas à droite. Et qui s'était fait saucer, donc lui sortir par Hydra, la même taxe que Lilbo au final a pris en WCS. Dunk qui lag. Jaydong qui est. Fantasy! Qui n'est pas non plus l'ultra favori du tournoi, hein, quand on voit Parting, quand on voit qu'il échoue assez régulièrement dans quelques petits matchs. Marine Lord l'a battu hier sur le score de 2-0. Ouais, c'est clair. Raxine qui nous lâche un type, continuez comme ça, vous êtes au top. Big up, merci beaucoup. Dernier tips avant de partir en Chine. Ouais. Oui, il fait son petit voyage peut-être tranquille là, hein. C'est les vacances. On se fait plaisir. Ou alors. De quoi ? Ok, le sondage est disponible sur le site. Mais vas-y, qu'est-ce que tu disais ? Je t'ai interrompu. Non, j'ai rien de particulier. On est parti donc dans ce match. On est sur une nouvelle carte, on rappelle, disponible depuis lundi en fait sur ladder. Je vais pas trop m'attarder sur ce que j'en pense, parce que je vais être très désagréable. Mais on va dire que l'objectif, on a l'impression qu'elles ont été sélectionnées. Parce que ça venait d'un concours, d'un contest Team Liquid. Je pense que c'est dur. Et en fait, les gars, pour Zerg, non ? Dans ce match-up ? En fait, ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont regardé les stats et ils ont pris les cartes qui avaient le plus de cailloux. Qui avaient le plus de cailloux, merde. Non, mais c'est l'impression que ça donne. Il y a une carte, alors celle-là, elle en a pas tant que ça. Mais il y a une carte, sur deux bases, il y en a quatre, Terraformation. Il y en a une autre, je ne sais plus encore les noms en français, mais il y a trois cailloux sur deux bases. Enfin, il y a des cailloux partout, et des bagues d'or partout. C'est déroutant. Voilà. Donc, je vais m'en arrêter là. Mais au moins, ça donne un petit peu de fraîcheur sur ces tournois. Ça montre aussi que les joueurs qui s'adaptent le mieux, en fait, sont déjà les top joueurs. On dit toujours, ouais, nouveau patch, nouvelle méta, nouvelle carte. On va peut-être avoir des rotations entre les joueurs. Au final, on retrouve les mêmes que top WCS, top GSL. Donc, voilà. Les joueurs pros, ça paie. Alors, est-ce que tu peux montrer la B3 du Protoss, en fait ? Enfin, il y a deux choix, on va dire. C'est ça. Celle-là, elle est assez loin. Peut-être on peut zoomer pour montrer vite fait. Donc, quel va être l'enjeu du Protoss ? Ça va être de prendre B3 contre Zerg. C'est pas si facile que ça de défendre B3 parce qu'il faut se positionner dans cette zone en gros pour défendre les deux bases. Elle a là la petite tricherie de la carte, c'est qu'en fait il est difficile de prendre B3, donc le Protoss de base il se dit je vais pas pouvoir prendre B3, c'est la merde. Mais quand on y pense, le Zerg non plus. Y a B3, le Zerg prend B3, mais pour défendre de sa B2 à sa B3, c'est la merde. Il y a énormément de distance. Ouais. Et vu que c'est une carte qui accumule les couloirs, un Protoss qui sort. Un peu force field. Voilà. Il peut, et en plus, le fait d'avoir une sorte de rotation de chantilly, on ne sait pas trop au milieu, tu ne peux pas trop encercler un Protoss. Parce que tu as des couloirs et tu vois, c'est trop difficile à mettre en place et tout ça. Donc la tradition, c'est all-in de base, avec des Void Raid, des Sentinels, Stalker Blink, des Immortels. Il y a plein de variantes différentes. Ok, tu penses qu'on va pas avoir de B3 de la part du Protoss ? Il pourrait en avoir une, s'il fait une agression et puis qu'il s'est repoussé, mais qu'il a fait beaucoup de dommages, ou alors qu'il y a une petite chiserie côté de Jaydong, mais all-in de base, c'est quand même le standard sur celle-là. Ok, et en fait, je corrige, je pense que la B3 privilégiée, c'est celle-là, en fait, à mon avis. Alors, le minerai est vulnérable, mais il suffit de positionner son armée là, et en général, tu auras une photon là. Il y aura peut-être une partie de l'armée là. Et en fait, je dis ça parce que le Protoss, j'imagine, peut défendre ici avec des unités qui ont plus de portée contre, parce que là il peut juste se faire attaquer par des roaches tôt dans la partie, les alliés ne passent pas et les hydras c'est plus tard, et il a plus de portée, il peut force field les roaches, tu vois. Donc je pense que cette zone peut être contrôlée par le Protoss. J'ai pas encore vu, mais justement c'est des cartes pendant qu'on a une petite agression quand même, Zelot, hein, qui est en train d'arriver
sur la Queen. Allez, Lilbo, la Queen pour un zilote. Voilà, ça ouvre parfaitement. Et voilà, Lilbo qui va pouvoir partir. Donc, Kamapé, forcer les Erglings, fait le kill. Pour revenir à cette base-là, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est très particulier, mais au moins, ça ouvre de nouvelles possibilités. C'est sûr que c'est le genre de choses qu'on a quasiment jamais vu dans le jeu, une B3 ouais. où tu peux éventuellement te faire choper pack de minerai, mais pourquoi pas, tu vois. À l'heure actuelle, oh bah, wow. ouais, ce sera bien ça la B3. Et ben, t'avais bon. Tu vois, je n'ai, honnêtement, je n'ai encore jamais vu de B3 ici ouais. en first. Hein. Je ne l'ai toujours vu que là. En fait, je pense que là, on a quelques... What attention, il y a un trou. Ouais, ouais. Bon, mais ça va être géré. Ouais. Ça va être géré. Les Erglings ont vu deux gates. Tier 2 ici, il n'y a pas le speedling. Hein. Non, il n'y a pas le speedling, effectivement. C'est un tier 2 pas super, super. Enfin, okay. voilà, 7 minutes 10 qui est plutôt standard, mais sur jouer. Le speedling, c'est quand même ouais. c'est quand même coûteux. Il va jouer au Chimera, je pense. Balbitor qui rocks du Bluetooth, bien sûr. Donc les options pour le joueur Zerg ici, bah, c'est mettre pression. En fait, tu ne peux pas laisser un proto jouer parce que de 1, tu es obligé de lui sanctionner sa B3 qui est assez exposée. Et de 2, si tu l'es joué dans les couloirs, après c'est compliqué. Donc le but c'est faire une grosse pression avec Roach ou avec Roach Hydra ou avec Roach Tunnel. Et après, soit tu fais le kill quand tu as un bon build, que le gars fait une erreur ou que tu pars all-in, ou alors tu fais transition pendant que tu mets pression. Ouais. Alors du coup, cette base qui va être prise, donc en fait, et en plus tu peux la défendre avec une charge photonique. Genre ouais. charge photonique là-dessus, ça défend derrière le minerai. Je pense que c'est vraiment la bonne base pour le Protoss. Bah, c'est vrai que si tu essayes de deny le manning, effectivement avec le problème de portée, tu es obligé de mettre des hydras, mais si le gars arrive met des champs de force, perdre des hydras, ça coûte cher. Il n'y a que cher, des hydras, mais ça arrivera très tard. Ouais. On a Zergling Speed qui est lancé. En fait, regarde, c'est un gros mytho la B3. Il n'y a aucune sonde en production. J'étais en train de me dire, mais il est en train d'abonner sa B3. En fait, c'est juste un gros fake. Ouais, c'est derrière, clair. Il rajoute 3 portails, il en a 5, donc il arrive 7. À 8. Allez, Lilbo! Attention, 10 roach en production. Ouais. Le Zergling Speed qui va arriver dans 10 secondes, c'est pas dit que ça passe. C'est pas dit que ça passe. Ça va se jouer au Force Field et à la micro. Mon bon Yogo, il y a 7 spine qui est prête. Ouais, il n'y a pas d'enfouissement, donc il n'y a pas de souci de manque d'observateur ou quoi. Il a cut à combien de récolteurs? 56, il est au courant. Jedong est au courant. Hydralix Den, est-ce qu'il va pouvoir défendre? Lilbo qui rentre dans la B3 de Jedong. Il va falloir micro-gérer ici, Force Field, ok. Oh là là, on sent la puissance du Jorzer, il est là. Je fais quoi? Allez, mets-toi en hold position, Lilbo, tu la grades cette hatch, tu te mets en hold position. Ah, il est très fort. Hein. Le doigt sur F. Pas mal. Tous les Erlings sont morts sur cette salle de Force Field. Il n'a encore rien perdu. Zniet, zéro, nada. Première partielle qui tombe. Il pose, peut le faire. Attention, le Mothership Core qui a plus d'énergie, la bubule. Et il a voulu fatter l'unité, il a pas voulu simplement prélever la B3 ici. C'est vraiment un combat pour dégager de l'unité. Les Erlings ont tous disparu, les cafards sont fait ponctionner en leur boîtier. C'est vraiment, c'est pas encore gagné, c'est pas du tout gagné. Il n'y a pas beaucoup. Alors, il va prendre cette B3, c'est sûr, hein. Mais il n'y a pas beaucoup d'énergie sur les sentries. Il n'y a surtout pas d'option de recall. Hein. Donc là, il faut qu'il se mette absolument dans des petits recoins comme ça. Parce qu'il n'y a pas cette pop zerg pour encercler, donc c'est bon. Il est dans un recoin, les chanteurs, scopier, il ne peut même pas se planter, les ouvriers qui galèrent. Vas-y, débord. Attention, il faut être super cost effectif. Lilbo, il passe devant la pop. 12 roach. Allez, Lilbo, fais-lui mal. Oui. Première game, première ouverture face à Jedong, le moi petit je fake dis, gagne Lilbo qui va mettre le petit pour moi. On rappelle, hein, dans le lancé du PO5, hein, si je ne m'abuse sur chacune des confrontations ici. Allez, glaçons, la glaçon. Cale bien tes glaçons, il a plus d'énergie sur ses sentries. Faut pas qu'il se rate. Qu'est-ce qu'il focus là? Ouais, ok, il y avait un roach en haut. Il va ramener les... Il est en train de warper 8 unités, Lilbo. Lilbo, la pop de Jedong qui est en train de chuter. Tous les drones qui sont mis à contribution. Il y a tellement de population qui va arriver en renfort derrière. Il a plus de garde. Lilbo qui nous ouvre avec une première partie. Rendement, venez. Donc. Balancer les baguettes sur le chat. Il va falloir. Faut que tu changes l'overlay. Ouais. Yes, on change l'overlay. T'as dit quoi, Yata? Ah, overlay, ok. Vous utilisez la. C'est Game Art 1v1, c'est ça? Voilà, parfait. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est parfait. Lilbo, voilà, tu vois. Moi je dis, quand j'ai vu 0, il a 2-0. C'est BO3 ou BO5? Je crois que c'était BO5. Ah, c'est peut-être BO3. Attends, vas-y, tu peux checker sur ouais, là. BO5. Est-ce qu'il est encore en train de se mettre des gouttes comme au WCS? Il est pas frais, Jedong, il a peut-être un peu trop fait la fête hier. Alors que Lilbo, on l'a vu. Alors, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, il a refusé de faire la fête pour être au top. Ça, c'est l'esprit professionnel, tu vois.
Je vais pas citer certains noms, mais c'est l'esprit Millennium ou qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est après Stefano et Deschi, je pense pas qu'on puisse dire. C'est, on va dire, c'est l'évolution chez Millennium, tu vois. D'accord. C'est genre professionnel jusqu'au bout, quoi. Ouais, mais tu vois, enfin, on peut rigoler de Deschi et Stefano qui sont des bons fêtards, mais ils faisaient les résultats aussi. Totalement. Bon, de temps en temps, ça leur jouait des petits tours. Mais ils faisaient les résultats en faisant la fête. Là, Lillebo et Marie-Laure sont des joueurs qui sont ultra sérieux. C'est le jeu avant tout. S'il faut jouer plutôt que de faire la fête, ils vont jouer. Ils vont se reposer. Et ça paye. Hein. Là, franchement, tu vois, Lillebo, j'étais surpris. J'ai dit, qu'est-ce que je passe ? J'aurais pris en B3. Alors peut-être, je venais te dire, ça fait que all-in sur deux bases. Bah, c'était une sorte de gros fake. Jaedong so stressed, he has to go toilet. Brrr. Rip. Et l'autre en plus, voilà. Ouais. Et là, je quitte le salon. Blum. Allez, Lillebo qui est chaud. BO5, hein. Donc il va falloir aller jusqu'au bout. Mais là, on a une première démonstration absolument parfaite. Un Lillebo qui avait énormément de sentinelles et il ne sait pas. Ah. Il ne sait... Ouais. En fait, il y a petit Drogo sur le chat. Ah. Qu'en nous raconte-t-il ? Il est sub, d'ailleurs. Et qui dit. Aucun FR a fait la fête hier. Même Deschi ? On est tous partis à l'hôtel direct. Parole de petit Drogo. Et je sais que c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Donc les trois Français qui sont allés à l'hôtel. Et bon, c'est relou hein, de ne pas faire la fête, bien sûr. Ouais. À Krefeld avec les autres. Tu la feras plus gros ce soir. Tu la feras ce soir. Tu fais monter le Chekos. Donc tu peux faire péter les pintes. Hein, même si, à mon avis. Mais ils ne sont plus dans leur bar. Attends, quoique si, ils étaient sur la petite place parce qu'ils ont changé de locaux. Ouais, alors enfin, ils l'ont mixé dans leur local. J'ai l'impression qu'ils ne doivent pas être prêts. C'est ça, c'est peut-être ça. Lillebo contre Jaedong, game numéro 2. Game numéro 2 en train de se lancer. C'est parti. Allez, alors. Une livraison de cookies, ça a donné envie. Quoi ? Ouais, en fait. Ah, vas-y, putain. Ça a l'air trop stylé, tes cookies. Mon pauvre en fait, sud. Hier. Non, mais hier, il y a un mec qui nous. Trop stylé, qui s'appelle Jean Culariel, charmant pseudo. Qui. je m'en rappelle du coup. Qui. Mais Jean Culariel, hein, bien sûr. Je me doute. Et du coup, qui, on a dit qu'on avait super chaud, une sorte de ventilateur, etc. Et le mec nous a fait livrer, je sais pas, 15 paquets de glace, tu vois. Mais de glace à la vanille, en cornet, nice. Tu vois. Trop stylé pour tout au gaming, toutes les chaînes et tout. Et ça c'est fait vraiment ça. Plaisir à tout le monde. Et du coup, il y a quelqu'un qui voulait nous envoyer d'autres trucs. Genre donc des cookies. Donc c'est vraiment gentil. Ouais, des cookies. La bombe de balle. Ici. Allez. Nous retrouvons. En bas à gauche, le joueur Zer, gros Jevil Geniuses et Jaedong. Et nous avons, je te laisse le présenter. En protos bleu, le joueur français de la team Millennium, il mène 1-0. Lillebo. Lillebo taqué après une finale WCS qu'il aura perdu, on peut presque dire de peu, c'était être capable d'aller chercher Idara. Le coréen avait été beaucoup trop solide. Ici, on a un coréen, on va dire, au plus gros prestige qu'Idara, mais peut-être en termes de niveau, il faut être un tout petit point, un cran en dessous. Et on l'a senti sur la première game. Lillebo, il arrive, ouais. Bon, ok, ça a été peut-être un peu serré face à Idara, mais j'ai donc, clac, je vais me le farcir. Mais ouais, attention. Le Dong, il est capable de faire 4 hatch avant poule, dont une chez toi. Il a même. On parlait beaucoup en début de game. Je crois qu'il a fait triple hatch la première. Où il est parti. Enfin, il est sur 3 hatch très très rapidement, sans gaz, ce qui est très risqué. Mm-hmm. Mais bon, ça, c'est Jaedong. Il est capable de faire des paris de fou furieux. Alors, Jaedong, son premier Overlord part dans la bonne direction. Ouais. Et il va avoir l'info sur la base de petit Drogo assez rapidement. Ouais. Alors, sur la base de petit Drogo, par contre, Lillebo. Mais petit Drogo précise sur le chat que ceux qui sont rentrés à l'hôtel, c'est bien les Français qui jouaient le lendemain. Voilà, donc il y a une petite exception. Voilà, en la personne Daichi, de Deschi, Stefano. Et Stefano, c'est vrai. On fait la fête un peu plus longtemps. Alors là, voilà, très très bien fait de la part de Jaedong qui s'approche, mais au taquet sur le. Enfin, déjà, il y a deux choses à noter sur son opening. La première, son dominant, il est au taquet dessus. Pour voir s'il y a des bâtiments protos, bam, il braque la trajectoire pour ne pas donner information sur sa présence ici. Et la deuxième, c'est qu'il avait l'ouvrier ici en attente pour voir s'il n'y avait pas des sondes qui pourraient arriver pour faire le canot attaque ou même le triple pylon block ici, qui de 1 donc lui permet de voir venir s'il y a un cheese. De 2, vu qu'il a vu où était son adversaire et il savait qu'il n'avait pas de forge, ça lui permet de faire un triple hatch avant poule. Donc deux petites adaptations de Jaedong qui joue un peu de sa chance, mais voilà, il faut savoir l'exploiter aussi. Exactement, il l'exploite très très bien. Lillebo qui va scouter.
qui a vu que l'Overlord a... Non, je suis pas sûr qu'il ait vu l'Overlord. Ouais, bon, en tout cas, qu'il va scouter dans la bonne direction. Reno Reigns, Kirox du Gnotu, big up. Allez. La probe qui vient voir. Et la hatch. Je vais te poser la question. As-tu souvenir du build systématique de Lilbo sur cette carte-là? So many zealots. Non. Ah, so si, many attends. Zealots. Ouais, c'est ce qu'il avait fait en WCS. Très, très, très agressif. C'est ça. Très agressif. C'est ça. Ouais. C'est exactement Plan ça. Gate. Très, très agressif. Voilà. Et il va le refaire. Il l'a fait face à Yasunu, il était mort. Il l'a fait face à Hydra. Il s'était fait, shutdown. Et du coup, il a fait transition sur Huguette. Il l'a fait hier face à Yun. Ça a échoué. Il s'est fait intercepter. Puis derrière, il a tenté de rentrer chez lui. Les Zerglings sont infiltrés. Ça a été la merde. Mais malgré un run by Zergling qui lui a tué Mastruc, derrière, il a réussi à faire une transition sur une sorte de 8 gate trop beau. Et la partie avait été ultra tendue. Voilà, donc Lilbo a tout de même perdu un match hier. Mais bon, voilà, il repart sur, sur sa bonne base, quoi qu'il advienne. Ouais, là, alors le Warp Gate qui a été chrono-boosté, bien sûr, entre 2 et 3 fois pour permettre ce BO. Le pylône qui est placé, Lilbo qui va être agressif. J'ai donc qui a fait le spilling, mais qui ne l'aura pas tout de suite. Et le spilling, ce n'est pas une réponse absolue contre les zealots. C'est clair. Il faut avoir beaucoup de zealots. La masse critique des zealots face aux zerglings. 3 ne suffisent pas. Les 3 premiers qui sont warpés ici, ça a été vu par Jedong. C'est un peu. Je pense pas que ça va faire énormément de dégâts. Est-ce que même on le voit derrière. En fait, il continue de lancer des sondes et puis il lance le complexe robotique. Donc en fait, il ne score pas sur cette attaque. Ouais, la Queen, ce serait déjà un très bon kill. Là, parce que le cyber va pouvoir faire des kills derrière. Augmenter son DPS. Vas-y, maximise ton DPS, poteau. Vas-y, le focus du. Voilà, le focus de la Queen. Encore une fois, regardez la micro. Et la Queen qui va tomber. Yeah, allez, la même que tout à l'heure, seulement cette fois-ci il y a le speedling. Voilà, les dommages ont été faits. Le pylône qui n'a à peine été démasqué. Regarde cette masse de zergling. Peut-elle faire quelque chose? Non. Ah, oh, attention. Il peut aller défendre son pylône avec son Mothership Core du coup. Ouais. Et les zerglings ne peuvent pas vraiment attaquer le pylône puisqu'il y a le Mothership Core autour. Ici, on vient. Infantile, mais ça va coûter 4 zerglings. Il y a tout de même un gros danger en fait, c'est qu'il ne peut pas rappel et mettre la surcharge. Il n'a pas encore les 200 points d'énergie, donc pour l'instant, il faut qu'il défende parfaitement. Voilà. Je vois pas ce truc passer. Voilà. Hein. Cette agression de Jedong. Il reste un glaçon sur la sentry, tu mets le zealot devant. En fait, c'est ça. Ça devient dangereux. C'est maîtrisé. C'est ça. En théorie, ça te passe pas, mais le moindre accident, proto, c'est tu perds la game. Il y a un zergling dans la main de Lilbo. 2 zerglings. Quelle belle micro de la part des deux joueurs. Là, est-ce que la robot a été scoutée? J'imagine que oui. Elle est où? Ouais. Ouh. Ça, c'est vraiment une très très grosse info. Du coup, que va faire Jedong choisi quand même de partir sur Roach alors qu'il a vu la robot. En fait, c'est parce qu'il n'a absolument aucune technologie, je pense qu'il fait ça. Donc, il va tenter, il va jouer sur très peu d'économie, Zergling Roach, et de tenter une interception sur la sortie de Lilbo qui va devoir. Voilà, rappel. Donc, le but du jeu, ça va être intercepté parce qu'il n'aura pas de speed roach et il va falloir qu'il intercepte en faisant des dommages. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tu interceptes, le Protoss il recall et en fait, tu as fait 50-60 de pop pour rien. Ouais. Et là, ça va être serré. Hein. 18 zergling. Donc, en gros, pendant qu'on voit le sondage en dessous, Lilbo 3, un tel est le pronostic des gens. Là, ce qui se passe, c'est que c'est un gamble de Jedong. C'est un gamble de Jedong. C'est je t'intercepte quand tu vas prendre B3. Ça, c'est ce qu'il est en train de. Ouais. Ça lui permet. Un peu raté les force field. Ouais. Ça va partir complètement all-in. Là, il va sur le prisme transfert. Il va avancer dans le couloir. Jedong, il est all-in. Jedong doit intercepter l'armée. Quand elle doit faire du dégât parce qu'il est, il a peu d'économie, il a peu de technologie, ça passe pas, c'est bloqué. Et le souci, c'est qu'en fait, tu peux jouer un peu solo. La contre-attaque contre cette électrobo, mais de la contre-attaque avec quoi? Avec des cafards, parce que tu vas casser le wall avec des zerglings, c'est très très limité sur ce type de manœuvre. Et regarde en plus ce qu'il fait. Il laisse le Momo à la maison. Ah, c'est malin ça. C'est malin. C'est malin, mais c'est risqué en même temps, hein, parce que du coup, il ne l'a pas pour défendre, donc il faut qu'il soit sûr de ses billes. Allez, attention, le Saint-Gate Robo de Lilbo qui est en route. Il va falloir bien se positionner, bien caler ses force field. Il n'y a que 10 de pop d'avance pour le Zerg, c'est très mauvais. Saint-Gate Robo, le Zerg doit avoir quoi? 30 de pop d'avance pour bien défendre. 2 spines, ça c'est plutôt bon. Mais combien de temps ces spines vont-elles rester en vie? C'est vrai qu'avec les immortels, pour DPS, il va falloir t'inquiète. Les augures là, c'est pas forcément super sexy. Je suis pas sûr que ça passe là, il peut pas recall. Je suis pas du tout sûr que ça passe. Il n'y a plus d'énergie sur les sentry. Attention,
Attention, c'est pas en train de passer. Il faut se défendre là. Il va se mettre dans le petit recoin ici, voilà. Il va falloir un peu des zélotes. Absolument, les deux immortels qui sont dans le crisp. Il récupère la micro, les jumps de pas mal. Mais les coons qui sont là pour l'intergal. Le prise, 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 prise. Non, Limo, attention, Limo qui perd tout. Il était complètement, enfin quasiment all-in, j'ai donc. Comme tu le disais, il a produit Mazerling. Il fallait absolument qu'il rentabilise. Et il l'a fait parce que regardez le speed roach, il est super late. Ouais. Je pense que Lilbo, il a surestimé sa position en se disant il n'a pas de DPS et il en a oublié les Zerglings qui lui sont arrivés par derrière. Ouais. Quand mais tu en as... plus, il s'est vachement commit, il a avancé ouais, très très vite. C'est normalement, clair, c'est clair. Quelqu'un de très méticuleux, Lilbo, qui avance tout doucement. Ah, bon, on l'a vu la game d'avant, c'était ouais. l'exemple parfait. Et là, il a avancé d'un coup, d'un seul. Mmh. Il s'est éloigné de son War Prison, donc ouais. il n'y avait plus de fort possible sur son armée. Il a pris un risque énorme. Ouais, parce qu'on l'a vu, il y avait beaucoup de sentiels, c'est cool, il y avait trois immortels, c'est cool, mais quand t'as pas la masse de Zealot Tracker pour amener un peu plus de tankiness et de DPS, tu ne casses pas les aiguillons et ils te font quand même particulièrement mal. De l'aiguillon, c'est censé être de la merde en fait quand il y a des immortels en face. Mais quand tu n'as pas de quoi les burst et que les Zerglings encaissent bien, ça peut être tricky. Là, honnêtement, je ne voyais pas de Jedong survivre. Tu vois, c'est très bonne surprise que cette défense Zerg. Ouais. Mais comme là, tu l'as noté, c'est peut-être Lilbo qui s'est un peu précipité, quoi. Ouais, je t'avoue que en théorie, dans un set guide robot, vraiment, le Zerg doit attendre le Protoss avec 25-30 ouais. pop d'avance. Et même s'il a autant de pop d'avance, il y a des Protoss qui réussissent à passer contre des Zerg. Et là, il n'y avait que 10 de pop Rogerling. Donc c'est pour ça. Moi, les chiffres étaient en faveur de Lilbo. Sans upgrade pour Jedong, enfin, ce serait ni pour Lilbo non plus, mais voilà, il n'y avait rien vraiment à la faveur de Jedong qui maintenant va avoir 10 réalistes. Donc les champs de force vont devoir être parfaits. Alors, le petit groupe de contre-attaque dont je parlais, dès que tu as des cafards, bah, c'est bien plus sexy que des Zerg parce que tu peux percer le wall, donc tu forces des warps ici. Ouais, des stalkers, je sais pas si c'est extrêmement utile les stalkers dans cette situation. Bon, on le voit, c'est sauvé. Pas ah, voilà. La micro est propre. Attention, attention, il est en train de se positionner à gauche. Lilbo qui va tenter un deuxième round. Cette fois, il est attendu par une vingtaine d'hydralisques. Ça va être... Et là, franchement, c'est plus la même histoire. Ouais. Les hydras, plus, beaucoup plus de portée que les roaches, donc moins vulnérables au force field. Ouais. Et puis là, en plus, hein, l'amélioration de portée. Hein. Là, pour le coup, je le vois pas passer. Hein. Ouais, moi aussi. Quand t'as beaucoup de stalkers avec du blink, tu peux faire des trucs, mais là, il a du zélot. En fait, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est pas jouer avec des stalkers, parce que tu n'as pas le blink et ils vont se gêner, ils vont rester derrière. Par contre, des zélotes, même s'ils viennent au corps à corps et que les roads vont pouvoir peut-être DPS un peu derrière les champs de force, les zélotes tankent bien et font beaucoup de dommages. Donc, ils t'aident entre les champs de force. Et si tu en places bien, tu peux écrabouiller une moitié de pop et puis t'espères qu'il t'en reste... Enfin, la seconde moitié derrière, quoi. On voit deuxième robot, bête soutien robotique ouais. pour Lilbo. Alors là, il y a un petit esprit Jason, Neverdive, enfin, il y a la petite franchouérie, toi, derrière. On sent l'esprit baguette. C'est pas quelque chose donc, que là, Lilbo fait beaucoup. Là, c'est pas compliqué. Si Jedong le voit et tech sur Viper, il a gagné. Genre, mais il faut genre techer maintenant. Est-ce qu'il a la fausse infestation, Jedong? Non, il y a rien. Okay. Parce que là... En fait, quand on part sur Colosse, sur deux bases, double robot, bref, totalement all-in, t'as trois Vipers, tu hookes les Colosses et c'est fini. Il n'y a aucune alternative. Tu vois, fausse infestation, il l'a vu. Il ralentit la prod de Colosse. Donc il... Là, Lilbo doit arriver avant les Vipers. Sinon, impossible. Avec une économie aussi faible de la part de Lilbo... S'il y a des Vipers en face, c'est perdu. Surtout pour en revenir, tu peux pas. La plus grande force en fait du all-in Protoss, c'est le Stalker Blink. C'est qu'en fait, que t'aies des Colosses, des Immos, des Zealots, des Sentinelles, ce qui fait la différence à la fin, c'est les Stalker Blink en fait. Et si t'arrives à Snowball, le gars il a beau avoir beaucoup de pop, tu vas faire bling 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 à l'infini et le mec ne te tuera plus rien. L'envoi qui a une composition qui n'a pas de tracker, qui ne sera pas basée sur les trackers bling qui peuvent Snowball, donc c'est de la force de frappe pure et dure. Et l'enfouissement, le déplacement enfoui, les griffes fouisseuses des roaches, c'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Pas mal de fungal un gros pack d'unités comme celui de Lilbo, mais je pense, pas incroyable contre les Colosses. Je pense que c'est malin pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de sentinelles. Et comme je t'ai dit, voilà, ça va vraiment être de la force pure. Et les sentinelles, là, du coup, elles vont être primordiales. Donc s'il arrive à l'isoler, c'est bien. Et de deux, en fait, le tier 3, c'est super long à voir. Mais c'est vrai qu'il aurait pu le lancer. Il l'a pas lancé, donc il va essayer de faire ça. Et moi, je pense que ça laisse une chance à Lilbo. Ah, complètement. L'absence de tier 3 et de Viper, t'as 4 Colosses, les bons force field, ça peut le faire. Hein. Les Colosses, en fait,
Il n'y a pas vraiment de counter au Colosse dans la composition Zerg là. Ouais. Mais franchement, moi je vais plutôt les infects pour une temps. Oh, attention, contre vague. Lille-bois. Défends-toi. Ce qui doit partir au lit. Oh, les infects, ils sont là, ils peuvent les prendre, peut-être du plus pour sonner, ils n'ont pas l'énergie pour mettre les croissances fongiques, ils n'avaient pas la grande pathogène. Moi, il rentre dans la pompe, il est défoncé. Tu peux passer. Il faut. Et puis il va jouer le Rico là derrière. Hein. Regarde les sentinelles, il sait, il abandonne la B2. Il va simplement gagner du temps, les sentinelles sont déjà là. Il va forcer en boucle, mais attention, il y a les roaches avec le tunnel derrière. Hein. Allez. Et là, c'est peut-être la seule chance de Lilbo de gagner cette game. Fait sauter cette Elle est grande. Fait sauter un maximum de base, un maximum d'armée et Rico ensuite. Oh, les cafards et tunnels qui sont passés ici, le colosse est défoncé, les sentinelles qui n'ont plus aucun impact sur cette défense. Quand est-ce qu'il va devoir Rico en fait hein. Où est le Momo? Où est le Mothership Core? Oh shit! Oh merde! Oh shit, il la target! Alors là. Très base. Où sont les probes? Où sont les probes? Les mots, le prisme, faut qu'il récupère. Voilà, il va. Le prisme! Allez! Opération de sauvetage d'une probe! Lilbo qui va cacher ses probes en haut à droite là, regarde. Ouais. Ici, il faut absolument sauver ses probes! Sauve ses probes! Allez! L'hélicoptère qui arrive! L'hélicoptère arrive! Allez, sauve-les! Il y en a, parce que Jedong il a planqué des trucs hein. Alors là, il y a. Voilà, il a un observateur, ça c'est important aussi d'en avoir. Il en a qu'un seul. Moi je dis, il gagne. Moi je dis, en ayant sauvé ses probes avec une technologie aussi forte, Lilbo va gagner cette game. Ah bah oui, Lilbo va gagner cette game. Là, si tu dis en Protoss, où est-ce que tu remets ton bâtiment? Bah si tu restes 400 de minerais, tu te mets sur un spawn B1, tu restes ici, le mec ne peut plus monter la base, il ne se refera pas plus vite que toi et t'as gagné. Alors, mets les bâtiments s'il te plaît. Ok, il en reste encore quelques-uns. Il reste beaucoup de bâtiments. Attention, Lilbo, il est pas vigilant, il perd une partie de son armée gratuitement là. Tu l'écrases cette armée. Ne pas perdre le prisme. Bon, je pense, je le vois pas perdre le prisme. Oh non! Elle est où? Elle est là. Attends, j'arrive pas à la voir. Visuellement, elle est où? Il y a une. Elle est là. Elle est dans le mix. Oh, cafard! Il va sniper la probe. Elle est toute seule. Il a 870 de minerais. Oh non! Si. Non mais Lilbo. Alors, check les bâtiments de Zerg aussi. Ouais, il y a plus grand chose. Il y en a un là aussi. Là, un zilote. Il y a les deux gaz au top, il les a défoncés, c'est sûr que ça ne compte pas. Non mec. Il a Mastune, j'ai donc. Mais qu'est-ce que tu fais? Lilbo! Alors là. Mais oui! C'est choquant. Remboursé Lilbo, remboursé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une énorme erreur. Il était dans une game ingagnable. Il prend le pari de faire double colosse. Ça passe. Il outplay Jedong, il le défonce. Et là, il frilouse son Momo, il frilouse son prisme. Et il refait pas de bâtiment. Oh, il a craqué le slip. Il est sous pression, je pense. Hein. Oh la vache. Il doit être vraiment sous pression. Oh non. Là. Mais oh non. C'est... Très franchement, Lilbo a cumulé plusieurs erreurs. Hein. Parce que il avait défoncé la dernière base qui minait côté de Jedong. Il avait une composition beaucoup plus forte que celle de Zerg. Infiniment plus forte. C'est la compo où tu touches plus à rien, tu laisses venir et Jedong ne peut rien faire. Alors, je vais quand même dire, une chose. Ça fait plaisir de voir Jedong qui vole un trade base, parce que ces derniers temps, il en a subi pas mal et il s'en est fait voler beaucoup, notamment face à Stardust la semaine dernière. Donc, fallait une fois que Jedong gagne ce genre de situation dégueulasse. Mais Lilbo, merde, à l'endroit où il était, s'il refaisait un Nexus et qu'il le campait, Jedong, même s'il avait 1500 de minerais, le temps de refaire des bases et de reminer dessus, Lilbo se serait presque refait plus vite, quoi. Non. Même avec une sonde. La perte de son prisme de transfert avec 3 probes, ça c'est incompréhensible. Ah ouais. Mais je pense qu'il a bien stylé ça. Waouh. Donc c'est Rotterdam à droite, Todd et Incontrol. Ouais. Bien stylé. Et il y a la chose à gauche. Bien marrant. Ouais. Et la perte de son prisme et après il fait pas de bâtiment dans un trade base quoi. Ouais, alors qu'il en a les ressources, il a la probe. Clair. Mais ok, je pense qu'il n'a pas localisé sa probe. Ouais, déjà nous on ne l'a pas trouvé. Ouais, parce que nous on a accès à l'onglet unité qui montre une probe. Lui, il a un groupe de contrôle, un contrôle 1 disons, où il y a toute son armée. Et il était en clic droit. Du coup en fait, son armée, sa probe se déplaçait avec les îlotes et la probe n'apparaissait pas dans les probes inactives, tu vois. Ben ouais. Donc en fait, je pense que Lilbo a pensé qu'il n'avait
toutes ses props dans le prisme et qu'il n'avait plus de props. En fait, c'est ultra stupide. Ouais. Mais j'avoue, c'est un peu comme Hydra à la grande époque quand il contre MMA et puis qu'il a rage quitté une game parce qu'il pensait avoir perdu toutes ses props alors qu'elles étaient toutes stackées contre un gaz. C'est le genre de même stupidité. Nous, on a du mal à comprendre ça, mais j'avoue, quand t'es dans le feu de l'action, ou alors, tu sais, il a lancé un bâtiment et puis il a redéplacé toute sa pop. Et ça fait que ça cancel le lancer du bâtiment. Ouais. Alors sur le chat, pour vous expliquer, parce que ça dit il peut F1. Bah, en fait, non. Bah F1, ouais. C'est les probes inactives. C'est ça. C'est ça qui est très important. Et c'est une probe qui ne bouge pas. Et là, il l'aurait localisé. Mm. Mais comme il avait dans son. Il a dû se foirer dans la pression, le mettre dans un groupe de contrôle, la probe se déplaçait avec l'armée. Donc la probe n'était pas inactive. Et F1 ne sélectionnait pas cette probe. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ouais, et puis c'est le genre de truc, justement, si tu veux lancer un bâtiment, tu le lances et tu refais un F1, tu déplaces ta pop, enfin un F2, tu déplaces ta pop et tu foires tout. Enfin bref, Lilbo qui a craqué. Bah voilà, bon, ben, il est là, notre cher Lilbo. Allez, à droite, Lilbo. Il nous fait le spectacle au moins. Hein Lilbo, tu es au niveau, largement au niveau, petite erreur. Tu peux le faire, tu vas gagner Lilbo. Tu vas gagner, concentre-toi. De toute façon, je pense qu'en fait, il s'est dit dans sa tête, tu vois, face à Jedong, il va gagner 3-0. Il a été voir sur Gaming, il a vu, purée, les votes sont 3 en ma faveur. Donc il va falloir que je lui laisse une carte. À mon avis, c'est ça. Il est là pour vous régaler. Donc aussi bien en gagnant le match qu'en vous faisant plaisir sur les pronostics. Donc voilà, 3-1 Lilbo, il fallait qu'il lâche une carte. Donc en fait, il a montré que normalement, il a gagné. Mais il fait, vas-y, je te la donne quand même. Ah ouais. Parce que c'est pour respecter les statistiques. J'espère que c'est ce qui va se passer. Hein. Ah ouais. Ouais, j'espère aussi. Hein, parce que bon, à côté des bêtises, c'est quand même très très sérieux ici. Home Story Cup, 11e édition. L'un des tournois les plus vieux de la Terre sur StarCraft 2. Waouh! J'aime bien ce qu'attendait de faire Jedong. De cacher la poule en fait à la sonde pour essayer de feinter un triple H et puis essayer de forcer une réaction. Mais. Bon, il s'est fait voir. C'est pas grand-chose, mais on sent la petite finesse de Jedong dans ce genre de petit move où il essaie de feinter au maximum. Il va B3 de toute façon. Hatch pull hatch de la part de Jedong. B2 rapide de la part de Lilbo. Départ très calme. C'est ça. Très calme, qui est plutôt puissant pour le joueur Zerg, dans le fait d'avoir 3 hatch aussitôt que ça, même si c'est pas 3 hatch avant pool. Le fait d'avoir le bassin jetique après la deuxième, fait que tu peux lancer les rennes rapidement, les Zerglings aussi, c'est mon build préféré. Hein. C'est greedy, mais tu peux à peu près tout contrer. Alors côté Lilbo, il ne repartira pas sur un 4 Zelot, hein, puisqu'il a pas lancé le Nexus avant le noyau cybernétique. Donc il n'y a pas possibilité de faire une grosse pression de 4 Zelot, quoi. Ça sera si le agresser, ça sera autre chose. Alors cette carte, c'est assez facile pour, c'est même extrêmement facile pour le Protoss de prendre B3 en fait. Déjà, ça lui permet de ne plus se faire backdoor ici, ce qui est déjà pas mal. Il va mettre deux pylônes là ou un bâtiment. Donc là, déjà, vu de nez, Protoss B3, très facile. Maintenant, quels sont les avantages du Zerg sur cette carte? Parce que je suis sûr qu'il y en a. Tu peux casser le caillou et éventuellement faire des petites backdoor assez vilaines. Okay. Ici, sur le terrain, là... Tu as beaucoup de possibilités pour encercler. Il y a plein de petits détails. Et si tu t'encercles, tu peux toujours planquer de la pop quelque part pour encercler. C'est le creep avance très vite sur cette zone-là. Il est facile à poser et tu peux encercler. Je dirais que ça se limite à ça. Les avantages. Mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà assez énorme quand pour des joueurs du calibre de Jedong, les circles Rochitara, ils connaissent. C'est vrai que la map a pas l'air si commode que ça pour le Zerg. Hein. Les nouvelles maps en général sont pas évidentes pour le Zerg. C'est ça, mais il y a quand même pas mal de petites cheese possibles en opening. Si le Zerg casse le caillou là et commence à faire des saloperies vraiment avant qu'il y ait B3, tu vois, il peut arriver par là. Je pense qu'il y a là. Des histoires de proxy hatch sur cette carte et que les Zerg mettent du temps à identifier et à bosser, mais je pense qu'il y a des strats comme ça. Il y a la gold, hein. Il y a d'ailleurs des Terran qui lèvent et puis qui plantent là. Ouais. Bref. Mais il refait la même. En fait, Lilbo, il fait ça systématiquement quand il voit qu'il y a 3 bases rapidement et pas de spilling. Il y a un sport crawler en production. What? Il y a une Stargate que j'ai pas vue. Non, je pense qu'il. C'est du mine quoi. Je pense que c'est par sécurité. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Et c'est aussi pour défendre un Mothership Core qui viendrait choper un drone et repartir. J'imagine qu'il s'attend à ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de gates là. Hein. Mec, il y a 5 gates. Est-ce qu'on peut les compter? Ouais, c'est ça, on est à 5. 3 là, 2 dans le wall. Est-ce que c'est le 5 gate d'Adèle?
Bilbo qui passe à l'attaque. En face, il y a quoi? Il y a des queens et le slim. Attention, t'as pas de fossile? T'as pas de fossile? Non, 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 non. Ah non, catastrophique. Waouh, il se fait reboot à instant face à un Jedong qui a tout pile le speedling, qui a lancé le tier 2, qui va pouvoir lancer la masse de drones. Et lui n'avait même pas les gars sur sa B2. Ouais. Waouh. Là, il s'est fait instantanément reboot. Mm. Et c'est... C'est triste, hein. Ouais. C'est, alors on le voit souvent refaire des bonnes sorties, hein. La game précédente, même si ça a fini très base, il a quand même foiré une attaque, il est revenu, il en a fait une grosse. Hier face à Yun, c'est pareil, hein, il s'est fait défoncer sur sa première sortie, derrière il arrive à enchaîner 8 gates, après 8 gates trop beau. Donc il a de la suite dans les idées, mais c'est très 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 difficile à mettre en place. Hein. Surtout face à un Jedong, tu vois, qui va peut-être partir muta, essayer de jouer le trade base en mode trop chelou, mais cette fois-ci d'entrée de jeu. Je pense que c'est... La carte est faite pour ça, à mon avis, pour jouer Muta, ouais. Trade Base. Là, il va lancer le plus sain d'attaque, Zergling, je pense. Non, Hydra. Waouh. Donc, ça se peut que ça soit un all-in. Ouais. Alors, soit c'est macro play, soit c'est une sorte d'all-in Dralisk à l'ancienne parce qu'il se sent bien en avance. Ça peut être aussi des Dralisk en défense. Ça a beaucoup de possibilités. Waouh, ok. Plus donc, un, corps à corps. C'est très très vieille strat. Hein. Ça se faisait à Derelict Watcher, je crois. C'est-à-dire que c'est qu'une. Honnêtement, quand je vois le plus 1 d'attaque avec autant de sentry. Ah, ça croustille. Ouais, mais c'est-à-dire que tous les Zerglings n'arriveront pas au contact en fait. Hein, ouais. Force field. C'est ça, mais c'est. Pas ultra convaincu. C'est tu joues sur vraiment beaucoup de Zerglings. Si t'arrives à encercler, les sentinelles elles se font marcher dessus. C'est louable, ça se faisait, c'est assez particulier. Ça peut permettre aussi de jouer beaucoup sur les run-by parce que t'as des Zerglings qui cassent beaucoup plus facilement les bâtiments. Voilà. Ouais, méchant de force effectivement. Allez, nouvelle pression de la part de Lilbo derrière, il est en train de prendre B3. Parce qu'il a rajouté qu'un seul portail hein, pour y retourner, donc là c'est vraiment pression. Il doit lui rester 7 force field, 7 force field, 8 force field. En face, il va y avoir 7 Hydra, le pylône ici. Il bosse bien, Jedong, hein, pour gagner du temps. Il sacrifie énormément de Zerglings, mais le temps joue en sa faveur, de l'Hydralis qui arrive, des Zerglings aussi. Et puis une très faible possibilité d'agression, hein. Ce n'est qu'une pression côté Lilbo. Il ne peut pas vraiment tuer, il n'a que 6 portails. C'est vraiment bien ce que fait Lilbo. Allez. Jedong qui micro très très bien quand même et qui perd tous ses Zerglings. On va essayer de garder ses Stalkers en vie, voilà. Wow, c'est chaud, hein, parfait. Hein. Allez, maintenant il faut passer les Hydras. Mais les Hydras sont 0-0. Il y a des Zerglings avec le 1 d'attaque, mais qu'est-ce que ça va faire dans cette fight? A mon avis, rien du tout. Allez, Lilbo, il est même pas all-in. Fais-lui mal. Fais-lui très très mal. Et la cible est champ de force. Il faut défoncer le Spruder. Voilà, comme ça il peut pas avancer sans perdre le noix des sommaires. Ça a l'air d'être parfait. Moi qui pensais que Wayward, mais par contre, il est isolé de son pylône. Hein. D'ailleurs, il va le perdre. Isolé de son pylône. Faut qu'il monte dans la main. 2, plus de recall. Monte. Cours. Il arrive, passe-les. Il n'y aura pas de recall, mais c'est pas grave s'il arrive à raser la main. Il a cette sentinelle pour le lock de l'infini. Allez, le lock. C'est parti. Alors, faut faire attention, les ouvriers en tenir position pour gagner du temps. Il n'a plus que 3 sentinelles. Ça va être. Ah merde, il n'a plus un seul champ de force. Ah, plus de champ de force. Il faut maximiser les dégâts là. Ah, les ouvriers qui ont pourri les sentinelles. Regarde le shift click sur les Hydra, ouais. Quand même. Lilbo qui va essayer d'être aussi cost effectif. Regarde comment il a d'ouvriers, Jedong. Donc il y a un joueur qui n'a plus de pop, mais l'autre qui n'a plus d'écho. Ok, si on fait un point, on a 44 drones. Tu peux mettre la prod vite fait. On a une. Ok, il est all-in. Jedong est all-in. 44 drones, all-in. Allez, Lilbo, il faut tenir avec un Hydraling. Regarde! Il faut des sentry, des bons force field, ça se tient, ça peut se tenir. Y a pas de vitesse. Ça galère. C'est bon, mon Lilbo, hein. Regardez, galère. Hein. Attends, j'y vais. Avec ma canne, la petite canne. Mais il faut qu'il le voie surtout, il lui manque l'info. Tu peux mettre la vision. Allez, attention, sois réactif. Voilà, tu l'as vu, il est all-in. Lilbo. Voilà. Glaçon. Voilà. Aïe. Par contre, le target de Jason n'est plus pas mal. Ce sentier, il arrivait en défoncer deux, il aurait presque dû sacrifier des zélotes. Pour la seule temps, parce qu'il sait qu'il n'a pas de surcharge. Hein. Aïe. Moi je dis, il va tenir. Ouais. Allez, c'est propre. Hein. Et pendant cela, j'ai donc refait 11 ouvriers hein, quand même. Mais il est toujours en dessous, hein, niveau écho par rapport à Lilbo. Allez, le warp de Zilot. Et derrière, 36 Zerglings en production. Tue ces Hydra. 3 Hydra ici, c'est bien joué. Derrière, la Spire, il y a 11 drones qui ont été lancés par Jedong. Ouais. Honnêtement, je suis quand même inquiet pour Lilbo parce que là, je le vois en train de galérer. Ouais. Il va y avoir une sortie d'Immuta. Il s'y attend pas du tout. C'est clair. Et même avant ça, il va avoir le plus d'attaque pile au bon moment parce que là, il y a 30 Zerglings qui vont lui foncer dessus, qui peuvent lui faire beaucoup de dommages.
Ça va jouer sur le run-by ? Si on se met dans la vue de Lilbo, il n'a absolument pas vu cette aiguille. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il lui manque un phénix halluciné pour scouter ce que fait le Zergla. Absolument. Ouais. Mais il a tellement peu d'énergie sur ses centriques. Il peut même pas le faire. Hein. Ouais. C'est même pas une erreur de sa part. Là, il ne peut pas. 12 mutas. J'ai vraiment peur de ces 12 mutas. Tu vois, la charge des îlotes, c'est pas vraiment adapté là. C'est stylé quand t'as des archons. Quand tu ne l'as pas, effectivement, ça n'a aucun intérêt parce que tu n'as pas justement tes stalker blink. Il lui faut le blink là. Ouais. Là, vraiment, il n'a pas capté ce qui arrive et ça va faire très très mal. Ouais. Lilbo pourrait perdre sur cette. Je dirais presque va, même les 12 mutas vont lui faire trop dommage. Il n'a pas possibilité de contre-attaquer, de partir en mode all-in instant. Ouais. Ah, c'est chaud. Petit manque de map control. Les mutas qui arrivent au-dessus de la main de Lilbo, focus des stalkers. Lilbo va prendre très très cher. 4 stalkers qui tombent instantanément. Est-ce qu'il va pas GG? Non, il fait le rappel ici, mais voilà les sentinelles qui vont se faire fonctionner. S'il n'y a plus de sentinelles, les Zerglings vont se faire plaisir, vont s'en donner à cœur joie. Après ce rappel, il n'a même plus l'énergie pour mettre une surcharge, donc là, moyen de prendre 100 de gaz supplémentaires aux joueurs Protoss. C'est une catastrophe qui est en train d'arriver à Lilbo là. Ouais. Lilbo qui prend super cher. Oh là là, il voulait contre-attaquer avec des autres charges du suicide. Il y a les aiguillons là, il sait qu'en plus il n'a même pas acheté assez de temps. Ouais, peut-être. Et il attend la charge aussi. Ça va nettement plus rentabiliser ses îlotes. Là, il faut défendre les îlotes. Lance le blink, Lilbo. Je sais pas s'il peut le faire, les îlotes qui passent à l'attaque. Il n'y a pas le blink. Oh là là. Les îlotes qui se sont fait ouvrir. Ouais. On a envie d'y croire, mais Jedon, il ne va faire que gagner du temps. Il a des aiguillons chez lui. Il peut partir en mode trade base total. Il n'est pas obligé de défendre face à cette pop-là. Il peut juste casser l'économie. Ouais. Il ne va pas rentrer dans le jeu du joueur Protoss. Allez, Lilbo, il part trade base, là. Et regardez le focus de Jedon, très intéressant. Le cyber instantané. Oh, il le tue. Ça, pas. C'est une bonne réaction. Parce qu'il a peur. Attention chez lui. Mais il n'y a toujours pas le blink. Hein. Ouais. Et là, bam, plus de stalker. Ah, dur. Plus de stalker, il peut les chiffre ceux qui restent, il va les défoncer, pas de surcharge non plus. L'archon qui est bloqué dans les bâtiments, qui ne pourra pas défendre. Ah, la tristesse. Et Lilbo qui n'arrive pas à passer ici, qui va pas pouvoir hot micro Jedong sans le blink. Jedong qui est en train de s'imposer dans cette troisième partie. Ouais, ça ne se joue à rien du tout. Jedong qui a quand même vraiment vraiment bien joué. Mais je suis vraiment pas convaincu par son plus 1 d'attaque des Zergling. Alors je crois pas que ça a été vraiment rentable dans cette partie. On les a pas vus faire des dommages, mais potentiellement ce qu'ils étaient capables de développer ici, c'était puissant. Parce que c'est ça qui est difficile à expliquer. Dans ce genre de situation, quand tu pars trade base et que t'as des Zergling pour contre-attaquer et casser les bâtiments, pour intercepter les trackers quand t'as pas de zélotes, ils font énormément de dommages. Et en fait, ça te permet d'avoir des unités plus puissantes qui ne coûtent que du minerai. Alors que si tu upgrades, tu vois, tes unités de tir à distance, les Hydralis, ce qui n'était qu'un passage en fait pour faire muta. En fait, je pense que le plus sain d'attaque corps à corps s'explique par le fait que d'entrée de jeu, même s'il partait sur Hydra, il savait qu'il allait faire muta et donc il voulait banquer du gaz. Et du coup miser sur des unités minerais qui font plus de dommages. C'est un vieux style de jeu, hein. Ça se faisait Belcher Beach, Derelict Watcher. Allez ici, Jedong qui est en train de défendre avec des roaches. La pop de Lilbo qui est descendue à 50-160 pour le joueur Zerg. C'est marrant de revoir des anciennes strats dans des jeux Lilbo. Voilà, GG. Et ben ultra tendu. Ça ne se joue à rien. C'est quand il monte dans la main du joueur proto, c'est les ouvriers limite qui lui pètent les sentinelles. T'es là, mec. C'est Jedon qui les target une à une. Il ne lui reste plus que trois. Les trois qui n'ont pas d'énergie, c'est Jedon qui, avec ses deux Hydra, ses drones, focus ses sentinelles une par une, en ordre de priorité sur celles qui ont plus d'énergie. Non, mais c'est du très haut niveau quand même. Hein. En fait, t'as eu, Jedon joue vraiment très très c'est bien. C'est chaud. T'as la pression de Lilbo 5 gate au début. Tu peux join. La pression 5 gate de Lilbo. Et Jedong cache ses Zerglings, fait un surround, il n'y a pas de sentinelle. Il y a Zilot et 3 stalkers. Et ça, Lilbo est obligé de recall à ce moment-là. C'est obligé. Donc, il repousse la première pression comme ça, Lilbo se fait avoir. Et ensuite, putain, il monte dans la main, il perd la sentry avec l'énergie. Mais il est blasé. C'est très, très, très léger.
C'est, ça aurait vraiment tout changé. Un force field de 10 secondes, c'était le temps qu'il fallait pour tous les ouvriers et faire un massacre. Quoi. Ben, est-ce que, comme tu as dit, il est quasiment parti en contre-attaque all-in avec ses hydras derrière. Donc s'il avait, il ne lui avait tué ne serait-ce que même 3-4 ouvriers en plus, mais il aurait tellement été ricrac. En plus, ce qui se passe, c'est que pour force field lock une pente, en fait, il faut 4 sentry. C'est pour ça. Faire force field, force field, force field en permanence et sans interruption. Il en avait 3. Mais en fait, si une avait lâché un force field, il y avait de grandes chances pour qu'à la fin du force field, il y en ait peut-être un deuxième, tu vois, genre, ou 5 secondes après. Ne serait-ce que péter le pool, tu vois, t'as pas besoin de péter le. Enfin, déjà, s'il pète le tiers 2, bah là, il n'y a pas de spire. Ça pouvait snowball, en fait. Genre, ça pouvait snowball énormément. Parce qu'on l'a vu après, quand il part en contre-attaque, j'ai donc, même en relançant les 11 ouvriers, il avait moins de récolteurs. Donc même s'il avait un peu plus de tech, déjà c'était lié au fait qu'il n'ait pas perdu sa Bane. Et moi je suis pas du tout convaincu par la reprod Zealot Sentry en fait. Donc il monte, il se fait repousser, il a tué beaucoup de drones, mais il a perdu toute son armée, tu vois. Mais à ce moment-là, il y a moins d'économie pour Jedong. Jedong all-in, Zergling Hydra. Et à ce moment-là, Lilbo fait Zealot Sentry. Et honnêtement, je suis pas convaincu. Je pense qu'il a fait trop de Zealot et trop de Sentry. Parce qu'on l'a vu, il se faisait kiter par les Hydras, en fait. Les Sentry, est-ce que c'est bien contre les Hydras? C'est bof, quoi. T'as le bouclier gardien, c'est pas mal, ça limite le dégât des Hydras. Mais les Zealots se faisaient kiter, quoi. Il avait vraiment du mal. Alors pour moi, les Stalkers ont été plus rentables, je trouve. En fait, effectivement, je trouve ça pas forcément ultime ce qu'il avait. Mais s'il a voulu faire des Sentry, il rajoute des Trackers. Le mec, il a Zergling plus 1 d'attaque, des Hydralisques, avec la portée. Sans refaire d'ouvrier, il te tue, je pense. Il te tue parce que même s'il n'a pas beaucoup d'écho, tu as le flux de Zergling continu qui arrive, tu n'as pas de sentinelle pour nullifier la masse de Zergling qui, avec le plus 1 d'attaque, t'écrabouille complètement. C'est d'accord parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas le plus 1 d'attaque encore sur ses zélotes. Donc je pense qu'il a galéré, mais en même temps, des trackers, si vraiment il y avait cette attaque de Jedong, en mode all-in, je pense qu'il aurait pu mourir. Donc c'est possible, c'était difficile, d'estimer aussi la prod de Jedong. Est-ce que ça allait être 80% de Zergling et 20% d'Hydra ou 80% d'Hydra et 20% de Zergling? Parce que ça change tout, en fait. Et à mon avis, Lilbo a misé sur le fait qu'il y aurait plus de Zergling que d'Hydra et a donc fait les bonnes unités, Zealot Stalker, Zealot Sentry. Là où, en fait, le seul truc que j'allais lui reprocher, c'est toujours au moment où il a mis les 3 champs de force. Effectivement, où il s'est fait kite un peu ses Zealots. Je pense qu'il aurait dû rester en aclic. Il aurait dû, quitte à ce que ses Zealots, qui étaient du coup au corps à corps des champs de force, se fassent marcher dessus, s'il avait broyé en fait la première ligne d'Hydralisque, il ne perdait pas les 2 ou 3 sentinelles, tu sais, que Jedong a target. Ouais. Et à partir de là, tu ne subis plus aucun dommage. Et justement, c'est du gaz que tu n'as pas à réinvestir dans de nouvelles sentinelles. Je pense que même sacrifier 5 Zealots pour péter les 2 Hydras qui ont permis de tuer les 3 sentinelles, je pense que c'était rentable pour lui. Ouais. Mais effectivement, si c'était un all-in complet, tu te dis, si je perds mes Zealots et que je me rate sur un champ de force, derrière, je suis foutu. Dans le feu de l'action, c'est vraiment du détail qui est super difficile à estimer. Enfin, voilà. Lilbo, on va quand même représenter le joueur. Kill bar ici, en bas à droite. Et en haut à gauche, on a Jedong. C'est le genre de partie, justement, qui, tu vois, même en observateur, t'as du mal à juger parce qu'il y a trop de paramètres. C'est les games qui partent en freestyle. Tu te dis, s'il fait ça, mais si en fait il fait ça. Quand t'es dans la game, t'es obligé de prendre un pari. Et puis c'est le bon, c'est pas le bon. C'est là où tu vois les joueurs qui ont le plus d'expérience et qui, même des fois, dans des paris qui sont mauvais, vont réussir quand même à retourner la situation à leur avantage. C'est clair. T'es obligé de faire des choix avec une information partielle, quoi. Et c'est ce que Lilbo a fait. Alors là, c'est... Ok, il vient de mapper en fait, le noyau cybernétique est assez tardif. Donc en fait, il a coupé l'économie en gaz. Tu vois un peu ce que font les Protoss, tu sais, contre Terran des fois. Tu vois. Quand ils captent qu'il y a CC First, tu sais, ils coupent l'économie en gaz. Et puis ils vont mettre, avant le noyau cybernétique, le Nexus. Là, on est dans le même type de raid justement côté G. Donc il sait qu'il n'aura pas besoin du speedling trop tôt. Parce que l'option 4 gate pression est désormais exclue. Jedong a lancé le Zergling Speed avant d'aller prendre B3. C'est une différence à noter. Alors que dans les deux parties précédentes, c'était B3 avant gaz, en fait. Ouais. Enfin, en fait... Bon, disons qu'il va le faire en même temps, là. Mais effectivement, il y a le gaz, hein, chose qui l'a fait. Et voilà, bureau. C'est justement ce que j'étais en train d'attendre. Intéressant. C'est quelque chose qui se fait beaucoup sur cette carte-là. Ouais. Hydra lui a fait. Sur cette même carte en finale WCS. Sur cette carte là c'est ultra relou parce que
Tu dois enfouir un Zergling sur chaque possibilité de B3 c'est de ça. Lillebois. En fait, il faut savoir qu'un all-in Zerg avec beaucoup de rôles sur cette carte-là, ça se contre, de justesse. Si tu retardes d'une minute la base ici, tu tues le Protoss. C'est quasiment aussi simple que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est un gamble de la part... Non. Vas-y, en fait, c'est un énorme gamble. Vas-y. En fait, ce qui se passe, ouais, c'est que la faiblesse du BO de Jedong, c'est une pression gate. Parce que, essayez d'imaginer, Lilbo refait la même pression qu'à la partie précédente. Que ce soit sur 3 gates ou sur 5 gates, il a quoi le Zerg pour défendre? Rien. Il n'a pas Zergling Speed et il n'a pas de Roach Warren. Il n'a rien, il va galérer avec des Queens et des Zerglings et il va mourir. Ouais. Et c'est du mind. C'est parce qu'il a crush les pressions gate de Lilbo de partie précédente que Jedong prend ce risque d'aller chercher le bureau. J'avoue. Et là, Lilbo a peur de faire la pression gate. C'est la première game sur laquelle Lilbo ne fait pas de pression gate qui aurait été le bon choix. Ça aurait été le bon choix de faire une pression gate. Et là, Lilbo va se faire punir avec un retard sur sa B3 en gros. Et c'est vrai que contre Hydra, il avait mis beaucoup de temps à détecter en fait que cette base avait un problème, parce que je crois qu'en fait Hydra, il avait envoyé un peu de pop en mode je gagne du temps, je gagne du temps. Donc le temps que tu ailles là, que tu essaies de lancer le Lexus et tu fais merde. Et c'est la catastrophe. Peut-être qu'il connaît aussi Lilbo qui, sur cette carte-là, en fait, 9 fois sur 10, va jouer la macro game. Il a un peu ses strats sur chacune des cartes et il varie très peu de ses standards au niveau du style. Donc j'ai donc qui franchement là c'est le gros parti pris qui va payer. Le Zer il va faire masse écho. Voilà. Et vous savez. Voilà. Ah là 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 là. Ah, là il est blasé. Minute. Là il est blasé parce que t'es dans un build qui est ric-rac, t'as pas les thunes en fait pour genre faire la robot de suite, parce qu'en théorie t'es censé faire le conseil crépusculaire avant. Si tu fais la robot trop tôt, tu sais que le mec il va peut-être pouvoir rusher le tier 3 un peu plus rapidement pour aller chercher les vipères. Et regarde, voilà, Jedong qui fait quelque chose que les Coréens font beaucoup, qui a beaucoup réussi à Firecake. Ça s'appelle le tunnel avant le speed. Ouais, et en fait, ça te permet de... Tu passes derrière les premiers champs de force, tu sors derrière les 5 premières sentinelles et tu les bousilles. Et après, ça casse complètement le rythme du joueur Protoss. Tu mets la vision de Lilbo, est-ce qu'il va s'en rendre compte de ça? Tout d'abord, est-ce qu'il va avoir des roach? Tu peux mettre la vision du Phoenix là? Ouais, le Phoenix, il a vu un gaz là, des roaches, ok, il a vu les... Waouh. Lilbo. Allez, Lilbo, fais-lui mal, l'enfouissement ici. Alors, faut qu'il aille très très loin des cafards, sinon on va se les faire des... Voilà. Il n'y a pas encore le tunnel. Je sais pas. Il a passé DPS. Non, c'est pas rentable ce que fait Lilbo là. C'était là, normalement, cette pression existe. Elle est surtout là, en fait, quand tu poses B3 en temps et en heure, tu peux te permettre presque de ne pas mettre la pression. À partir du moment où en fait, il se fait ralentir sa base, il était obligé de tenter de faire quelque chose. Et effectivement, perdre ses sentinelles et perdre son énergie, c'était pas rentable. Quoi. Là, Lilbo qui rajoute des photons, il sait qu'il est sous pression. Les roaches, il voit les roaches de son adversaire. Attention, les roaches qui arrivent, le roach speed qui vient d'être lancé. Force field, enfouissement, les photons qui sont pas encore finis. Non, il a pas d'ops. Il a pas d'ops, hein. Eh ouais, il y a pas de complexe robotique, hein. Merde. Oh là là, il se reprend son énergie. Il fait demi-tour, Jedong. T'as le rat. Regardez-moi ce rat dans les canalisations souterraines, là. Oh là 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 là. Oh là là. Jedong qui fait très très mal parce qu'il a forcé quoi 7. Et là, il va tuer tous les sentinelles. Il va tuer les sentries. C'est catastrophique pour Lilbo. Il est obligé de faire des hallucinations. Ah non, c'est une horreur. C'est une horreur de jouer contre ça. Mais ce n'est pas terminé, parce que regardez, niveau écho, ça tient quand même la route. Hein. Ah, franchement, ce que fait Lilbo, réussir à subir aussi peu de dommages malgré la chiantise de Jedong, c'est quand même ouf. Il y a 2000 de ressources chez Jedong, c'est-à-dire que là, il peut lancer 30 roaches. Hein. Ça se voit pas encore à la pop, mais il y a une banque monstrueuse. Il lance 20 Hydra. Et là, bon courage. Hein. Genre, ouais, franchement, c'est ça. Là, il faut... Là, j'ai vraiment très très peur pour Lilbo. Parce que, regarde, il a combien de... Tu peux mettre les bâtiments. Il a combien de canons? 8 canons qui ont été forcés par ce move et des canons qui ne vont... Son investissement qui sera plus utile dans la game, quoi. C'est ça, c'est quelque chose qu'il fait très régulièrement. Mais quand il se prend un gros all-in. Parce que quand il y a un all-in, il veut dire que voilà, si tu contrôles Zerg, t'es bien. Là, on n'était pas all-in côté Jedong parce qu'il avait complètement saturé sa base et on l'a vu, en fait, il a agressé avec quoi? 15 roach max? Il n'y avait pas genre la trentaine, la quarantaine.
Franchement, c'est malin ce que fait Jedong. Allez, Lilbo qui va passer à l'attaque. Il faut qu'il tue un maximum d'unités. Peut-être un autre blink là. Non. Voilà! Petit blink. Ouais. Et là, tu peux mettre. Il a vu les Hydras, je pense, avec un Phoenix halluciné. Bon, on l'a pas vu, mais à mon avis, il les a vus avec un Phoenix halluciné. Ouais, il a dû passer au-dessus de la pop. C'est tendu. Regarde, Zero Charge, là, il sent qu'il y a beaucoup d'Hydras. Il n'a que deux immortels, il a très peu de sentinelles. J'ai donc construit sa partie. Et en fait, si Lilbo attaque trop tôt, il va se faire défoncer. Mais là où il a un petit espoir, c'est en fait si Jedong reste trop inactif. En Zer, il faut impérativement attaquer le joueur Protoss, quitte à t'en parler. Si tu le laisses jouer, il va avoir des tuiles, il va avoir le prisme transfert, il va avoir la storm, et il peut revenir. Donc il va falloir qu'il attaque, et sur ce timing, ou même si le Zer semble avoir beaucoup de pop, tu peux revenir dedans. Mais avec les cafards et tunnel, là j'ai quand même peu d'espoir honnêtement pour Lilbo. Allez, attention, Lilbo qui voit l'armée de son adversaire, il va falloir bien engager Bubule les force field. On recule côté de Jedong, mais il a perdu 3 unités, hein. Il a quasiment rien perdu sur cet engagement. Il aurait une autre distorsion, il aurait pu refaire la même, mais là il sait qu'il n'a pas l'énergie. Ça va être très très difficile, oh il n'y a pas de colosse. Je suis vraiment inquiet pour Lilbo, c'est très difficile de prendre cette fight. Les roaches enfouies ici. Allez, Lilbo, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais on est sur du BO5. Hein. Donc s'il perd cette game-là, il passe à la trappe, Lilbo. Hein. C'est maintenant que j'avais. Aïe, Lilbo qui prend super cher. Vraiment très, 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 très cher. Ah, ça, c'est mal, les champs de force pour empêcher les cafards de ressortir du coup. Là, il faut qu'il attrape les. Mais il va se faire attaquer des deux côtés. Oh, Lilbo. C'est bien. Oh, c'est pas trop mal. Le hein. Blink-in, il faut tuer tous les Hydras. Il faut tuer tous les Hydras. Trouve une solution. Il crush l'armée, il la divise en deux. Je sais pas si ce sera suffisant. Ouais, parce que tous les cafards ils vont foutre le bordel. Hein. Parce qu'il faut quand même voir ici qu'on a un petit air seulement avec les zélotes hein, qui ont fait quelques dommages. Faut voir qu'il n'a pas masse des coins hein, du côté de chez Jedong. Il n'a pas de théâtre non plus. Donc on a un Jedong qui est. Enfin, pas all-in, mais tu vois, qui aurait clairement pu lancer le tier 3 pour conclure sur un push avec Viper. Il ne l'a pas fait. Lilbo a un espoir plus que certain dans cette game de revenir. Ça va être tendu, mais il existe bel et bien. Attrape les Hydras, mec. Il y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Il y en a pas beaucoup. Lilbo, allez, Blinkin, tu vas. Mais attention, avant les renforts. Les renforts sont pas encore là. Oh, voilà, les renforts arrivent. Là. Il a plus moyen de faire des tracteurs. Mais ce qu'il trouve, c'est qu'il a fait la charge des ailes. Donc même s'il ne fait que des ailes, bon. Allez, Lilbo qui y va. Est-ce qu'il peut le prendre? Il y a une très très grosse armée en face. Il voit des unités. Ouais. L'enfouissement des roaches. Ouais. Le kiting de Lilbo. Ouais. Il y a 3 immortels encore, le DPS est massif hein, sur les pauvres cafards qui sont complètement écrasés. Oh, il peut s'empaler, Jedong il peut s'empaler, c'est... Allez, Lilbo, c'est ce qu'il fait, hein. Allez, il n'y a plus de banque pour Jedong, mais c'est dur, il faut micro. Il faut l'empaler, et derrière tu warp des zilotes, la zilote charge le blink-in, et tu crush toute l'armée Zerg. Est-ce que Lilbo peut le faire en minimisant ses pertes? Ah, ça va être tendu parce il que... Il repousse, oui, non. Derrière, on a lancé le tier 3, hein, donc il pourrait y avoir un tabing avec les vipères. Il faut absolument le repousser de manière cost-effective. Un truc de fou pour pouvoir réattaquer avec un prisme qui, d'ailleurs, il l'a perdu. Mort, probablement. Oh là là. Allez, il faut le crush là. Il faut essayer d'être cost-effective. C'est vraiment un contrôle impérial de la part de Lilbo. Mais je dirais que c'est l'avantage du genre Protoss, hein, ce genre de situation où il y a un trade continu où il ne se fait pas encore écraser. Hein. Même s'il perd les IMO, ce qui compte, c'est la base de tracker. S'il arrive à la snowball, il peut se récupérer, hein. J'ai bien Allez, il peut. Allez, blink. Voilà. Tu tiens, Lilbo, voilà. Blinky, ce roche. Voilà. Et maintenant, il faut snowball. C'est ça. Il s'est stabilisé. Il est à 25 de pop de retard derrière le Zerg. Il peut encore snowball, mais je pense qu'il y a plus de minerai dans la B2, dans la B1. Enfin, là ça devient. Regarde, en valeur d'armée, hein. Ouais, je sais. Là, il faut snowball maintenant. Allez. Il y a les cafards. Il y a l'observateur et détection, il y a quand même beaucoup de cafards. Hein. Sur le creep, ça peut être ouf. Tant qu'il n'y a pas l'Israël, ça peut le faire. Il faut absolument qu'il joue avec le prince. Oh ! Est-ce qu'il peut pas faire le go main ? Tu sais où il blink in dedans ? Ouais, on va voir. Il a pas de sentinelle. Il va tenter de raser la main. Il va envoyer les zélotes. Et en fait, ce qu'il peut faire, ça peut être malin. Il peut aller chercher le B4 avec les trackers. À droite et le prince dans la main, ouais. Mais il faut qu'il fasse vite. Et qu'il faut qu'il pose B4 en même temps. Allez ! Il n'y a pas de creep. T'as pas le temps de poupe. Allez, il a vu la base en haut à droite ou pas, Lilbo ? Tu mets sa vision ? Ok. Ouais. Il choisit de pas attaquer ici, c'est repoussé. Bah, parce que là, du coup, il va s'exposer à un timing avec. Viper. Est-ce qu'il lui reste des IMO ? Il n'en a plus que. Ah, deux. Hey. Les IMO, ils vont mourir instantanément. La Storm, on peut voir que les Vipers vont arriver bien avant. Mais le temps de sauter, si tu chrono boost,
la, s'il temporise ne serait-ce qu'un petit peu, voir avec des zélotes, et il va avoir la Storm 200 de pop, face à un timing de vipère. Hein. Je crois que c'est ça. C'est... Et tu sais qu'il est bien, Lilbo, là, dans la game. Enfin, je vais pas dire bien, je vais dire pas trop mal. Il n'a pas de sentinelle, mais... Regardez cette masse de haut-templiers, là. Franchement, ça avec la Storm, il ne l'a pas encore. Mais suffit qu'il temporise une petite trentaine de secondes, et ça va le faire. Il n'y a pas de sentry, ça peut le faire. Il n'y a pas de sentry, ok, au moins, il a l'info, il a vu l'armée de son adversaire. Lilbo, tu peux le faire. Il faut que ce soit ton comeback. C'est la dernière chance de Lilbo, il n'a pas le droit de perdre ici. Ne perd. Il voit qu'il n'y a pas de base, il va voir un drone, ok. Cette base qui est posée. Lilbo qui se positionne, il a la Storm. Il a la Storm. C'est allez, bon. Les douches. Il est bien là, hein, Lilbo. Oh, 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 oh. Oh, il peut surprendre. Ça c'est pas mal hein. Ouais, ça fait mal les cafards hein. Pas les zélotes hein. Ouais, les zélotes charge sur les cafards qui sont pas de qualité. Allez Storm, Storm. Il y a eu quelques nuages. C'est de la micro pure ici. Regarde, 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 il va le défoncer. Le petit Blinkit parce qu'il sait qu'il est bien. Il y a plus de code. Allez, allez, allez. Ah là, la douche. La douche mon petit père. Tu l'as senti? Tu l'as senti, dommage qu'il ait perdu le prisme, hein, parce que c'est dans le genre de situation, si tu veux dégoûter le type, tu lui fais 10 zélotes dans sa main après lui avoir mis 3 storms. Là, franchement, il est tellement bien, Lilbo. Il a tenu quelque chose d'intenable. Et tu es donc obligé de repartir sur du gain de temps. Ah, si. Ryan Ops. Allez, tu l'as vu, tu blinkin, intercept, tout ça. J'ai donc qui va perdre 10 roach là-dessus, c'est très très grave, hein, à ce moment de la partie. Il a plus de bank, J'ai donc. Est-ce qu'on peut mettre Linkom? Parce que je pense qu'il y a des bases qui sont en train d'être mined out. Tu peux checker le minerai vite fait des B1, B2, des B1. B1 ici, c'est fini, B2... Plus grand chose. Ok. Allez. Waouh. Attention, à passons palais. Ça... Hey. Là, il n'y a que deux vipères. Hein. Combien de storms sur les... Bon, il doit y en avoir 5 ou 6. Storm, Storm. C'est pas mal. Storm, kiting. Il a pas de pylône de warp, hein. c'est la mauvaise nouvelle pour Lilbo. Ici, deux zilotes, ça va être défendu. Allez, allez, Blinky, tu crushes ça. Ça, il prend son temps là, mais à le prendre trop... Et là, il a trop de ressources, il warp 9 stalkers, je sais pas où est-ce qu'il les a warpés. Au milieu de la map, c'est dommage, ouais. Hein. Il lui manque un pylône. Allez, j'ai donc qui perd une partie de son armée. Allez, vas-y Lilbo. Easy, petit bonhomme. Il est bien là, avec sa masse de tracker qui va arriver, il va le bousiller. Regarde, il prend le temps. Storm après Storm. Si la B4 tombe, ah ben là, je pense c'est... qu'il va win. Ah ben il a win. Hein. De toute façon, regarde, il essaie de défendre, il se prend les Storms, il ne peut rien faire. Et là, potentiellement, il a quoi? Il a 6 archontes, enfin 4. Oh là là. Storm. Et Blinkin, là, bute-le. Écrabouille, tout est dans le rouge. Un Blinkin, il y a tout qui pète. En fait, je pense qu'il a... Enfin, même s'il y a un Blinkin et qu'il y a un Cloud, le Cloud sera aussi, prendra aussi effet sur les roads chez les Hydra. Donc... Il a plus de storm en fait. Tu peux checker l'énergie des Templars. Je crois que. Enfin, là le problème c'est qu'il n'y a plus un seul storm. Mais justement, au moment où il avait tout mis dans le rouge, s'il avait fait un blinkin, genre et mis des archons. Archon blinkin, ouais. C'était fini. Mais il choisit d'être patient et d'attendre des storms. Il doit avoir deux storms là. Ça se voit pas très bien, mais. Ouais. Il doit avoir deux storms. Il en a deux à 80. Ouais, voilà. Oh, il joue safe. Hein. Là, Lilbo, il fait. Je me suis arnaqué la deuxième game. Cinq Broodlord en face. Mais je pense qu'il est méga bien. On s'en fout des Broodlords. Fait sauter ses bases. La base à droite qui saute, c'est énorme. Le bon cloud qui empêche les trackers de DPS sur cette hatch. C'est... Là, on sent que Lilbo, il a plus envie de perdre sur des bêtises. Hein. On sent que c'est la carte où si la gagne, il n'est pas qualifié. Mais s'il la perd, il est out. Et on le sent. Hein. Là, il prend toutes ses précautions. Hein. Très, très, très patient, Lilbo. Méthodique. Les Storms, Abduct sur un High Templar, ça sent le désespoir, il y en a 15 en face. Les Broodlords qui ont été vus ici. Oh là là, oh là là. Oh bon, ils donnent quand même tous ça High Templar. Mais, l'armée de Gédon qui font GG. Comeback de Lilbo. Il était tellement mort. Oh là 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 là. Eh, il s'est pris des run by roach pendant combien de temps? Pendant 5 minutes? Ouais, non mais... Très très belle, très très beau comeback de Lilbo, j'avoue que... Bon, évidemment, les Broodlords qui ont tué un autre Zerg, mais ça c'est classique maintenant. Ne plus jamais faire de Broodlord quand vous êtes Zerg. Hein. Il a fait durer la fin de partie en clan war.
Dès qu'il aurait eu la Storm, il aurait fait Storm Blinking comme un gros ouf et il aurait gagné. En clair, il n'a aucun respect. Mais là, tu vois, il s'est dit, bon, c'est Jedong, donc de 1, tu fais gaffe. Et de 2, bon, je suis au bord de l'élimination, donc je prends mon temps. Mais tout autre match, je pense qu'il aurait conclu beaucoup, beaucoup plus vite. La pression qu'il a bouffée pendant 5 minutes, mais inconcevable, quoi. Poliakov, petit tweet, je suis abonné Freeletics, j'ai du Intel et sponsor Asus, critères remplis. Big up, et big up à nos partenaires, bien sûr, merci beaucoup. Et du coup, on s'oriente vers la dernière manche, Lilbo versus Jedong. Donc, il y a vraiment un mind game en début de partie, c'est ouf, hein. En fait, Zergling, l'enfouissement en premier pour le Zerg, c'est fort parce que les Protoss ne partent plus sur robot rapide, en gros. Ouais. Parce que si t'as la robot, si t'as un off, t'es dans le futur. Mais ils partent sur Forge ou Conseil Crépusculaire, et du coup, pas de détection, du coup, tu planques tes Zerglings et tu retires la B3. Mais ça te rend vulnérable à une pression early gate. Donc en fait, c'est le côté aléatoire du match-up, en fait. C'est, est-ce que je gamble et je recherche l'enfouissement, mais auquel cas je suis vulnérable à une agression, ou est-ce que je joue safe et je recherche Speedling? Mais auquel cas, je te laisse prendre B3 rapidement, ouais, je suis moins pénible. Ça justement, je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai vu une game la semaine dernière, est-ce que c'était pas dans un Hydra Lilbo ou genre Hydra, il est là, il le scout, il avait le Speedling et puis il se fait « Ouais non, on va pas y avoir de rush », donc il cancel, il fait le bureau et après, en fait il se prend une grosse pression, il est avec des vieux slowlings. C'était Hydra Lilbo, c'était le 2-0 en... Tu sais, en arbre, mais pas en finale. Il a rencontré Hydra en arbre avant leur rencontre en finale. Ouais. Et il met 2-0 en poule, je crois. Et effectivement, il y a eu exactement ce que tu as dit. Il s'est fait arnaquer. Et pareil, il y avait eu, je crois, Elfie Jedong, où Jedong il cancel le speed pour faire le bureau. Et en fait, il se prend une grosse pression. Et puis, puis c'est la lutte. Enfin bref, 2-2. Lilbo, tu peux le faire. Il faut le faire. C'est pas tu peux, tu dois. Ça va beaucoup dépendre de la map. Et alors là, on est sur une carte très, très, très intéressante. Ouais. On va d'abord présenter les joueurs. Je te laisse le présenter. J'attends qu'on passe à la game. On est parti. En haut à droite, en Protoss bleu, le joueur français de la team Millennium, Lilbo. Regardez à gauche. Oh là, et il lui fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ses bras? Eh mais c'est bien ça, un petit truc animé. Bim bim. Enfin j'avoue, c'est ce qu'on faisait aussi. Et ici, nous avons au sud, en bas à droite, le joueur avec Genesis, Jedong. Ah, franchement, ils nous font la game stylée. On est dans du PVZ dans toute son excellence. Ouais. Pas de macro game, mais que de la mid game, mais bien, bien, bien tendu, tendu. C'est clair. Et des parties très stratégiques. Alors, on parle de Hydra HYDR1, le coréen, pas Hydra l'américain pour le chat. Alors cette carte, c'est vraiment une énigme parce que la topologie de la carte fait que je pense qu'elle est Zerg favored et notamment un jeu à base de Roach et de Roach enfoui. Mais les stats en fait de cette carte en WCS sont en faveur des Protoss. En fait, il faut savoir que sauf quelques très rares timings, même si tu dis ouais le Zerg il se met ici puis il te défonce la gueule avec Roach Hydra, c'est pas si vrai que ça, parce que le Protoss, ce qu'il peut faire, c'est défendre ici avec Mascadon Sentinelle, et il campe la hauteur ici avec Stalker Blink, et il te met bien. Et une fois qu'il arrive à avoir une... Tant qu'il a que ça en pop, ça va. À partir du moment où il arrive à avoir une pop qui prend de la place, eh ben, il peut te mettre champ de force ici, donc tu essaies de monter là, de faire le tour, monter là, mais lui met moins de temps à défendre, il te met des champs de force. En fait, tu ne peux plus attaquer le joueur Protoss chez lui. Alors que le Protoss, lui, il arrive dans le recoin, tic tic tic, il monte chez toi. Tu ne peux pas descendre la rampe parce que tu te fais choper. Tu ne peux pas vraiment encercler parce que lui, il peut reculer. Et en fait, il monte avec ses blings, genre il te pousse. Il y a beaucoup de choses à faire en Protoss. Alors bien sûr, défendre la B3, c'est très compliqué. Mais une fois que tu commences à maîtriser ce truc-là, ça va. Mais bon, on pourrait réavoir le petit trick du Zerging Burrow qui te fait perdre une, deux minutes sur ta B3. Et rien que ça, ça te casse tout ton plan de jeu. Ouais, c'est la première question que Lilbo va se poser. Est-ce qu'il va jouer agressif sur cette carte? Est-ce qu'il va faire une pression gate? Est-ce que mon adversaire est en train de rechercher l'enfouissement ou le Zergling Speed? Donc en gros, cette probe, pour moi, c'est très important. Est-ce que tu peux mettre sa vision à Lilbo? Ok. Il est parti? Il est... Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une information énorme de voir la poule tourner ou la hatch en train de faire le bureau. Je pense vraiment que c'est l'information de début de partie indispensable. Ouais. Et c'est ce qui me fait peur, c'est qu'il l'a vu. Il l'a pas.
Et malgré ça, et il chronoboost le Warbeat. C'est donc ça. Il va faire une pression gate contre du speedling. Tu vois, c'est, il va le faire. Il fait un gamble quoi. Et à chaque fois que je l'ai vu faire ça, il s'est fait défoncer. Mais il a l'expérience, donc il sait que après s'être fait défoncer, il fait des transitions. Mais c'est chaud. C'est toujours chaud. C'est tu reviens sur un 8 gate ou tu reviens sur un 7 gate trop beau, mais c'est à chaque fois. C'est très très hasardeux. C'est délicat. Tu t'exposes au run bailing, parce que quand tu le maîtrises, tu ne meurs pas dessus, mais au moindre accident. Au moindre misclic, t'as 10 airlines dans ta base et t'es mort. Voilà. Ne serait-ce que devoir avoir le Zelot ici, c'est chiant. Allez, une prop qui a été vue ici qui sort, mais c'est pas encore de certitude. Ça, à ce niveau, ça peut être un fake. J'ai donc, tu vois, il y a plein de fakes. Je montre une prop. Combien, la vraie question, c'est combien de airlines est-ce que j'ai donc a. C'est pour défendre. Pour l'instant, pas beaucoup. Le speeding qui est en cours. Il a pas besoin, parce qu'avec ce type de build, en fait, tu peux gérer les premiers zélotes, tu as le speedling, tu vas courir, et tu vas jouer sur la contre-attaque. Tu vois même que la gate, elle a une grosse surface, donc il est obligé d'y mettre sentinelle, voire presque un zélote en plus après. Mais il continue de lancer les sondes, donc on n'est pas sur all-in non plus. Ça va être un petit timing construit. Hein. On n'est pas sur un gros all-in vilain. Ouais, ouais. Là, c'est le choix d'unité à warper. Si c'est des stalkers, c'est un all-in, c'est très engageant de la part de Libo. Zealot Sentry, c'est très bien parce que c'est ça lui permet de contrôler l'espace et il peut recall. C'est très bien. C'est agressif, mais c'est très souple. Donc là, il n'est pas dans le « je vais tuer », il est dans le « je vais rester le plus longtemps possible ici avec 2-3 sentinelles et pendant ce temps-là, je fais ma vie ». Mais il a compris Jedong. Donc il joue sur la contre-attaque parce qu'il sait qu'il ne pourra pas déloger cette pop-là. Allez, attention ici, les Erglings, attention, warp d'autres unités, il faut bloquer, il faut fermer. Les probes qui sont sortis, attention, le Zealot, faut absolument bloquer avec le Zealot. Voilà, le Zealot qui bloque. C'est la pression hein, de jouer Protoss dans ce genre de situation. Jedong, tu sais que Jedong, il commit énormément sur cette agression. Regarde, hein, il n'a toujours pas lancé d'ouvrier, donc là c'est pas ouf. Hein. Il est en train de miser sur le fait... Non, qu'est-ce qu'il fait, il sépare son armée en deux. Il remonte. Non, parce que là, Jedong, il est en train d'essayer d'attraper l'armée de Lilbo. Ou alors de crush ce wall. Parce que s'il se foire, il a perdu. Hein. Et s'il se foire, Jedong a perdu. Il est en full production de Zergling. Tu peux tenir. Il faut que Lilbo s'en rende compte. Il faut que Lilbo tienne. Il faut qu'il tienne ici avec des force field. La gate va tomber. Allez. Ne pas bloquer ces bâtiments. Peut-être lancer d'autres gates chez toi pour avoir plus de production. Ah là là, il faut être parfait, c'est à l'ancienne. Est-ce que là il peut recall et avoir la surcharge? Non, il a pas de 200 points d'énergie donc ça sert à rien d'entrer à la maison pour l'instant. Aïe, je torche. Force feed! Oui, Shanky! C'est bon. Mais il a de moins en moins de gates. On sait que Lilbo n'a plus que deux gates de warp. Hein. C'est pénalisant. Il perd ses moyens de production. Waouh! Recall tout de suite! Et trade. En fait, il trade là. Mais j'avoue qu'il va pas falloir tarder. Ok. Je pense que ça c'est chelou, hein. C'était vraiment space quand on début de partie. Et va faire une macro game avec une base comme ça. Ouais, je pense. Attention, faut pas qu'il perde trop d'économie chez lui. Mais. Il n'a pas de technologie. Attention, il n'a pas ça vient, de gate. Ça vient. C'est ouvert. Oh non, les zélotes, il s'est barré. Oh l'enfoiré, le zélote, il a déconné. Ça va pas le tuer. Son armée est là, mais il va subir des petits dégâts. Voilà, charge photonique. Puis on relance Mass Drone pendant ce temps-là. Ok, Lilbo qui essaye de défendre contre ses speedlings. Ah bah, de toute façon, c'était assez attendre. Hein. Avec Jedong, il t'en fait de la game chelou. Hein. Fallait pas s'attendre à du classique. Bilan. Précieux. Tu dirais avantage à qui, là? Bah, au moment du recall de Lilbo, je pense qu'il était devant. Mais là, avec tous ces runbys de Zergling, en fait, derrière Jedong, il a fait Mass Drone. Il est à 40 contre 38. Alors, merde, j'ai l'impression qu'il s'est enfermé. J'espère qu'il va canceller. S'il avait conservé genre 4-5 sentinelles, il aurait pu être bien. Le fait d'en avoir que 2, c'est ricrac. Donc en gros... Oh non ! Ouf. Putain. Ouais. Allez, force-fuel, là, tu bloques du Zergling. Oh, tu me diras, il n'y a que 2 sentries. Là, en fait, ce qui se passe, on va être clair, il y a 15 zilotes. Ouais. Dès qu'il y aura des roaches en face, ce sera de la merde. Donc en gros, pour moi, il faut y aller. Pour moi, au minimum... Ouais, oui, y aller, tu gagnes la guerre. C'est chaud. Ouais. Il a que des zilotes quand il y aura des roaches en face. Le souci, c'est que s'il sort sur la carte,
vu qu'il n'aura rien en défense chez lui, il les Erlings vont lui péter le wall. Il faut qu'il garde 3 unités chez lui, genre des sentries, mais il faut qu'il se monte sur la carte. Genre, il a vraiment beaucoup d'ilotes qui vont être de moins en moins useful. Voilà, là, il peut avancer. Ça traite bien contre les Erlings, quand on a vraiment beaucoup. Il va être en set gate. Hein. Oh, putain. Elle est tellement tendue cette game. Set gate. La rencontre entre Jedong et Lilbo va se jouer sur un all-in set gate. Regardez les ressources de Lilbo. Il va warper des Zealots et des Stalkers. Il faut qu'il anticipe que... Allez, vas-y, mec. N'attends pas. Ok, non, ah, ouais. Il prend des shots, mais il attend, quoi. Il est obligé parce qu'en fait il faut qu'il avance avec ses pylônes. S'il se fait incerter, ne serait-ce que voilà, si c'était comme ça, ça va lui coûter la guerre. Là, il faut qu'il regroupe. Non. Les îlots qui vont se faire encercler là. Voilà, ça c'est allez, bien. Allez, il faut avancer. En face, on est en prod Mass Roach. Ça va être Roach Zergling contre Setgate. C'est pas compliqué, c'est une histoire de focus. Les Stalkers de Lilbo doivent focus les Roach adverses absolument. Et idéalement, les Zerglings de Jedong doivent être sur les Stalkers. Hein. Oh là là. S'il perd le pylône, c'est la merde. C'est... Oh, heureusement, il n'y a pas de target sur la sonde. Hein. Moi, je dis, il peut passer. Ouais, bah complètement. C'est dur, il y a vraiment beaucoup de roach. Il ne pourra pas kite. Hein. Ça va être go et tu croises les doigts. Le souci, c'est. En fait, il faut qu'il go et qu'il cale des bons force fields derrière les roach ou sur la choke entre B1 et B2. Et il faut qu'il ait un mur de zealot devant. Ah ouais. Et il est là le problème, c'est que pour avoir un mur de zealot, en fait, il va falloir qu'il conserve un pylône. Je pense qu'elle est là la difficulté principale pour lui. Sauver un pylône. Ouais. Allez, attention, les îlots devant. Les zapates, il va se retourner, il va bouclier mettre les gardien, c'est rentable ici, bouclier gardien, absolument. Il les zapate et il y va. Lilbo, il va. Regardez, les Zerglings de Jedong sur les Stalkers, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Oh, je sais pas s'il a ses Stalkers, il a pas la masse critique. Il a pas la masse critique, Lilbo, je crois pas qu'il est assez. Alors là, pour l'instant, ça tient à peu près, mais dès que les Speedlings vont débarquer, ça va être chaud. Il n'y a pas encore la vitesse sur les cafards, mais il n'y a pas de Blink, il n'y a pas de Stalker, il n'y a pas de Sentinelle, il n'y a pas de rappel. Et derrière, il n'a pas de transition, Lilbo, il n'a pas lancé de sonde, il n'a pas lancé de complexe robotique cette fois-ci. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Voilà, vous allez relancer les sondes. Il faut qu'il rajoute un complexe robotique. Il sait qu'il ne peut pas gagner, il sait que ça va être très très dur s'il fait une transition, mais pourquoi pas, faut qu'il tente. Les Zerglings qui vont derrière. Il n'y a aucune unité ici hein, dans le wall. Le wall qui va se faire gratter. Ah là 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 là. Ah, c'est. Il warp 4 zealots, mais ça attaque. Ouais, pas une super réponse. Faudrait attraper ces Zerglings, on va attraper 20 Zerglings gratuitement. Ouais, sans glaçon. Ouais. Ouais. Et il en chope quelques-uns. Acceptable. Oh, ça avec ça, le speed. Oh la vache. Oh. Bon. Ok. Go. Non, il a plus d'énergie pour appel. Non, je pense bien que l'on va perdre notre finaliste WCS ici. Ouais. Lilbo, allez, DJ, GG. Waouh. La défense de Jedong, elle a été parfaite. Il n'avait aucune écho, mais il a réussi à rentabiliser sa masse de Zerglings avec contre-attaque. Et même si on dit, Lilbo, il a fait quelques heures, les Zerglings sont rentrés. Ça se passe quasiment tout le temps comme ça, c'est par défaut, tu sais que le Protoss il va tenir, mais à force d'envoyer des Zerglings, il y a un moment où ils vont rentrer, c'est au moment où ils rentrent que... Lilbo c'est blasant, hein. Vraiment très très bien battu, Jedong qui a montré pourquoi c'est un des meilleurs joueurs du monde. Ouais. Lilbo, pour moi, il donne la deuxième game, il le donne. Les autres, à la limite, c'était tendu et c'est mérité, mais la deuxième, il peut vraiment s'en vouloir. Ah bah la deuxième, elle est à lui. Hein. Ouais. La deuxième, elle est complètement à lui. La deuxième, c'est ce qui fait 3-2 pour Jedong. Du coup, les amis, on va faire une petite pause et on se retrouve. En fait, on va faire, juste pour que vous sachiez, on va faire pas mal de pauses parce que ça va être très long aujourd'hui pour nous et donc pour qu'on puisse reposer nos voix, en fait, tout simplement. Et donc, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour le prochain huitième de finale. À tout de suite.